Bien, bonsoir à, à tout le monde. Mes chers collègues, je suis heureux d'ouvrir avec vous ce conseil qui, comme vous le savez, a pour objet le vote du budget municipal pour cette année 2023. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir quelques instants sur les événements importants qui ont accompagné l'arrivée du printemps à Calur-et-Cuire. Je veux bien entendu tout d'abord parler de notre traditionnel repas de l'amitié auprès de 1200 seniors seigneurs qui ont pris part à cette occasion dans une joie et une bonne humeur qui font réellement plaisir à voir et à partager. Et je remercie sincèrement les 140 bénévoles, membres de notre réserve citoyenne, qui se sont mobilisés à nos côtés et ont ainsi contribué au succès de cette journée, ainsi que les agents de la ville, les jeunes sapeurs-pompiers, les scouts, la Croix-Blanche et bien sûr les élus. Quelques mots également sur la ferme à la ville, qui pour sa sixième édition, et malgré une météo incertaine, a accueilli plus de 15 000 vis visiteurs. L'engouement des calus rares, petits et grands, pour cette manifestation est chaque année plus vif et témoigne, tout comme l'Europe à l'amitié, de l'importance de maintenir, organiser et réinventer des événements et grands rendez-vous. C'est une réalité d'autant plus prégnante après les deux années et demie de pandémie que nous avons connues et le contexte d'inflation que nous vivons tous aujourd'hui. En effet, j'ai déjà abordé ce sujet lors de notre dernier conseil puisqu'il s'agissait de débattre sur les orientations budgétaires qui ont présidé à l'élaboration de notre budget. Vous le savez aussi, en tant que collectivité et service public, nous sommes en première ligne. Ainsi, la ville a dû faire face et organiser ses services en conséquence, en repensant ses achats, en interrogeant ses pratiques et ainsi parvenir à maintenir une offre de services de qualité en négociant avec ses fournisseurs. Ce contexte d'inflation a eu également un impact sur les salaires. Ce qui a eu comme conséquence la revalorisation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires de 3,5%, des augmentations du SMIC et des revalorisations des grilles indiciaires de rémunération pour les agents de catégorie C et B. Néanmoins, comme vous le constaterez dans un instant, la ville s'est donné les moyens de continuer à faire évoluer son territoire pour répondre aux besoins de sa population. C'est également le cas en ce qui concerne les enjeux environnementaux, notamment avec la mise en œuvre du plan de sensibilisation à la transition écologique. La ville est déjà depuis longtemps engagée dans des actions éducatives en matière d'environnement et de développement durable à destination du grand public et des agents territoriaux. Nous souhaitons aller encore plus loin avec ce plan de sensibilisation à la transition écologique en élaborant une programmation annuelle de sensibilisation et en anticipant les besoins internes et externes dans ce domaine. Ce plan s'accompagne également d'une offre de subventions complémentaires de celle de la métropole de Lyon pour la végétalisation des copropriétés situées dans les corridors écologiques à créer ou recréer sur notre territoire. Par ailleurs, toujours soucieuse d'accompagner l'évolution des modes de vie et d'offrir aux Calurars le plus large choix de modes de déplacement favorables à la transition écologique que nous portons, la ville entreprend de renouveler le dispositif d'autopartage de voitures en libre service sans station et le service partagé des trottinettes électriques en free floating. Le budget que nous proposons est un acte de prévision, mais également d'anticipation, qui, tout en maintenant la stabilité de nos taux d'imposition, nous permet en capacité d'intervenir en fonction des évolutions, puisque nous avons bien vu que l'incertitude est une notion qui fait désormais partie de notre quotidien. Ainsi, c'est grâce à une gestion, comme toujours, fine et raisonnée des deniers publics que nous pouvons, cette année encore, tenir nos engagements au service des calurars, avec de nombreux projets en cours ou à venir. Je pense par exemple à la mise en œuvre du projet de la firme urbaine, dont la réalisation avance à grands pas et entre désormais en phase opérationnelle avec le lancement des marchés de construction. La nouvelle cuisine centrale, avec les travaux qui vont démarrer cette année et la labellisation Mon resto responsable. Le lancement de la réhabilitation de l'ancien collège Lassagne en marché global de performance énergétique pour accueillir le groupe scolaire Jules Verne, l'école de musique et Calure Jeune la réhabilitation du Fonds de, -de suit, la création d'un skate park à Saint-Clair, les actions en faveur du bien-être animal, l'amélioration continue de notre parc de caméras de vidéoprotection en lien avec le centre de supervision urbain, la démarche de labellisation ville amie des aînés, le développement des outils numériques et des formations pour tous, le développement de nos politiques de santé et de réseaux de soins, la démarche de l'habilisation service public plus, la poursuite de notre politique patrimoniale pour aller vers un patrimoine toujours plus vertueux en matière d'économie d'énergie, le développement continu des dispositifs en faveur de l'emploi et de l'accompagnement de nos précieux tissus économiques et associatifs, la poursuite du raccordement au réseau de chaleur urbain débuté en 2022 avec plus d'une dizaine de bâtiments municipaux supplémentaires accordés à l'horizon 2023-2024, la poursuite de la rénovation et de la modernisation de l'éclairage public, tous les projets destinés à la préservation et au développement de la nature en ville. La liste est longue et bien sûr n'est pas exhaustive. Tous ces investissements ainsi que ceux que je n'ai pas cités viennent répondre aux objectifs qui ont été fixés pour ce mandat pour une ville durable, attractive, sûre, solidaire et bien gérée. Nous avons également à cœur de soutenir notre tissu économique et notamment l'artisanat fortement affecté par la conjoncture. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons nous engager dans un partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes-Lyon-Rhône, au travers d'une convention pour accompagner les artisans calurars pendant cette période difficile. La ville poursuit également, aux côtés de l'État, des associations et des fédérations sportives, un soutien actif à ces athlètes locaux de haut niveau, au travers d'un parrainage et d'une aide financière substantielle. Naturellement, les athlètes soutenus s'engagent en contrepartie à prendre part à plusieurs initiatives et événements organisés par la ville telles que la cérémonie des trophées des sports, les temps d'échange avec les jeunes calurars ou encore les Olympiades du sport. Enfin, je tiens à souligner un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la subvention que la ville souhaite accorder à l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon et à l'association des rescapés de Montluc, deux associations de préservation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la métropole de Lyon. Une mémoire, vous le savez bien, qui a marqué au fer rouge de notre commune et que nous tenons, comme toujours et plus que jamais, à entretenir et transmettre. C'est là l'un de nos devoirs les plus importants, permanents et incontournables vis-à-vis -vis des générations qui viennent et à qu'elles et Cuire, à l'aube des 80 ans de l'arrestation de Jean Moulin, nous y sommes toujours aussi attachés. Je finirai mon propos introductif avec une information majeure de dernière minute. Je suis en effet très heureux. De vous annoncer que le jury du Conservatoire des collections végétales spécialisées vient officiellement de classer en collection nationale de roses botaniques la roseraie que nous avons créée dans le Parc des Berges de Saint-Clair. Cela correspond à la place la plus haute dans le classement. Aussi modeste soit-elle, c'est une contribution à la conservation de la biodiversité au niveau mondial. Certaines espèces de roses botaniques. Aurait pu disparaître de la surface de la Terre, notre collection, à travers les rosiers exposés, mais aussi les graines conservées, leur assure une postérité. C'est aussi une formidable reconnaissance du travail remarquable que mènent depuis plusieurs années nos jardiniers, qu'ils en soient chaleureusement remerciés et félicités, ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat. Et je pense qu'on peut les applaudir. Je vous remercie. Avant d'ouvrir notre séance, je vous propose des liens à notre secrétaire en la personne de Monsieur Michon euh, ce soir, qui est pour cette élection. Je vous remercie. Monsieur Michon, je vous prie de bien vouloir procéder à l'appel, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. M. Philippe Cochet. Voilà, présent. Parfait. Monsieur Comtolet. Présent. Madame Isabelle Ménan, présent. Monsieur Robert evenot, Monsieur Damien Couturier. Mme Sophie Blachère, Monsieur Frédéric Joubert madame Viviane Vébanque, oui. monsieur Patrick Chiapara, oui. madame Hamzaouia Hamzaoui, oui. monsieur Laurent Michon, présent, madame Sonia Friol, oui. madame Evelyne Goyer, oui. monsieur Mamadou Diallo, madame Chantal Crespi, oui. madame Laure Delpino, madame Fabienne Guglielmi, oui. monsieur Abdelaziz oui. madame Christelle Linares, oui. monsieur Fabrice Balanche, oui. madame Maude Braque de la Perrière, Madame Isabelle Coton, Madame Patricia Chandia, Monsieur Cédric Guérin, Monsieur Franck Protterie, Monsieur Nicolas Jevenet, Monsieur Fabien Manini, Monsieur Geoffroy Criff, Madame Laure Corrente, Corinthe. Corinthe, note absente, Ma, euh, Monsieur Bastien Join, Madame Jeanne Billa, Madame Marie-Jo Le Carpentier. C'est moi qui ai la procuration de, de l'or Corinthe, pardon. <laughs> euh, monsieur Xavier Gillard, Madame Séverine Ayman, Monsieur Florian Fèvre, Monsieur Laurent Attarbaïrou, Monsieur Fabrice Matteucci, Monsieur François Degas, Madame Cassandre Vernet, Monsieur Jérôme Trottignon, Madame Sophie Géin, Monsieur Philippe Aurel et Monsieur Lionel Aberlé. Absent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme lors de chaque séance, nous commençons avec le compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui m'a été donnée par le Conseil municipal lors de la séance du 23 mai 2020. La délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées au Conseil. C'est aussi que je vous communique cette information. Il n'y a pas de demande d'intervention et donc il n'y a pas de vote. Nous commençons avec le rapport 2023-028 concernant l'octroi de subventions de fonctionnement à l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah et à l'association des rescapés de Montluc. Le mémorial Jean-Moulin de Caluire-et-Cuire constitue avec le Mémorial national de la prison de Montluc et le centre d'histoire de la résistance et de la déportation l'un des hauts lieux commémoratifs consacrés à la Seconde Guerre mondiale dans la métropole de Lyon. La ville de Caluire-et-Cuire organise également chaque année les entretiens de Caluire-et-Cuire Jean-Moulin. Qui offre au plus large public un espace de réflexion consacré à l'engagement envers les valeurs de la République. Animée du travail de mémoire qu'elle perpétue et développe au quotidien, la ville de caluire et cuire souhaite apporter son soutien au projet d'édification d'un mémorial de la Shoah, Place Carnot, à Lyon, porté depuis 2019 par l'association du même nom. Ce projet a donné lieu à une souscription publique en vue de parvenir au financement total fixé à 500 000 euros. La ville de Calua et Cuir souhaite participer à ce projet en octroyant une subvention de fonctionnement de 9 500 euros. Par ailleurs, c'est constitué autour de l'Association des rescapés de Montluc, une union nationale de 36 associations destinées à faire perdurer la mémoire des internés à Montluc par la Gestapo, dont bien sûr Jean Moulin, unificateur de la résistance à l'occasion du 80e anniversaire de l'arrestation dans notre ville et de l'incarcération à Montluc de Jean Moulin le 21 juin 2023 l'association apposera une plaque sur l'immeuble du 3e arrondissement de Lyon où Jean Moulin logeait clandestinement la ville de Caluire-et-Cuire souhaite participer à ce projet de haute portée symbolique en octroyant à l'association une subvention de 500 euros. Il vous est donc ainsi demandé d'allouer une subvention de fonctionnement d'un montant de 9 500 euros à l'association pour l'édification d'un mémorial à la Shoah de Lyon, d'allouer une subvention de fonctionnement d'un montant de 500 euros à l'association des rescapés de Montluc. Il y a une demande d'intervention de Monsieur Attabérou. Je vous donne la parole. Monsieur le maire, mes chers camarades, euh, mes, chers, euh, mes, mes chers collègues, donc... Euh... Et on ne peut pas donc, toujours donc, ne pas être ancien combattant. Vous comprenez que j'interviens aussi donc, sur, comment, sur ce sujet. Euh, donc je voudrais donc être, vous dire donc, mon, comment, donc, mon profond respect donc, de cette euh, décision puisque donc, il y a 80 ans donc la France était plongée donc, dans la terreur dans la barbarie. Des Français ont su donc, quitter donc leur foyer et se donc, lever pour que nous puissions vivre donc. En liberté donc, et en démocratie, donc nous, donc jeune génération, et il était normal donc de pouvoir donc les honorer, les honorer uniquement, pas uniquement donc dans la mémoire, mais donc dans la mémoire donc de pierre, parce que donc euh, il est important que le passant donc puisse réfléchir donc sur ces hauts lieux de mémoire. Aussi donc il est important et donc encore merci beaucoup donc à la mairie donc de Caluire d'être euh, quelque part donc le chef de file donc de pas mal donc de projets sur donc la résistance sur cette période qui doit donc aux jeunes donc leur, leur, leur indiquer donc ce qu'il faut donc le sens donc de leur action puisque donc l'actualité la, 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 donc, donc nous montre que l'histoire donc est un perpétuel donc, recommencement et je voudrais juste donc dire que bon nombre donc de calouisards donc ont participé donc à la résistance ont été donc les petites mains les chevilles ouvrières que nous avons donc la maison donc euh, du docteur du mais nous avons aussi donc une maison donc euh, donc au chemin donc euh, nous avons une maison qui a été donc euh, le siège donc du muadhir donc où bon nombre de grands résistants sont donc passés. Voilà ce que je voulais vous dire et encore euh, félicitations et merci de cette décision. Merci beaucoup pour votre soutien monsieur Attarberou et comme vous l'avez dit c'est vrai que c'est symboliquement très important que la commune de Caluire-Cuire puisse être partie prenante. Je rappelle également que dans quelques jours il va y avoir euh, la commémoration de ce qui s'est passé à Isieux, et nous sommes également partenaires avec la Maison d'Isieux, et je crois que tout ce parcours est nécessaire pour l'ensemble des jeunes, en particulier, pour ne jamais oublier, et comme vous dites malheureusement, l'histoire se répète, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc, je vais mettre aux voix en deux fois. D'abord pour le montant de 9 500 euros. Pour l'association pour l'édification du mémorial de la Shoah et ensuite les 500 euros pour l'association des rescapés de Montluc. Donc, pour le premier rapport, pour les 9500 500 euros à l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon, qui est pour Je vous remercie pour cette unanimité. Et concernant les 500 euros pour l'association des rescapés de Montluc, je mets aux voix qui est pour Je vous remercie également pour cette unanimité. Nous poursuivons, euh, monsieur Tollet, euh, concernant le plan de sensibilisation à la transition écologique. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc la ville, soucieuse de répondre aux enjeux de la transition écologique, euh, mène des actions éducatives en matière d'environnement et de développement durable à destination du grand public et des agents territoriaux. Concernant la sensibilisation du, du grand public, de nombreuses actions ont déjà été menées. Dans le cadre du projet Administration exemplaire mené par la collectivité, des actions de sensibilisation ont également été euh, mises en œuvre à destination des agents municipaux. Le plan de sensibilisation à la transition écologique a pour objectif d'élaborer une programmation annuelle de sensibilisation en anticipant les besoins internes et externes. L'objectif est de toucher l'ensemble des publics cibles, de prioriser les, de prioriser les ateliers et d'élaborer un calendrier de répartition des actions. Euh, quelques actions phares sont proposées. Tout d'abord, en interne, composition d'un groupe d'agents ambassadeurs du développement durable pour diagnostiquer les besoins des services, faire le relais des bonnes pratiques et se former sur différentes thématiques afin de monter en compétences et devenir euh, à leur tour des formateurs. Également, formation de tous les agents des services euh, parc et jardin, formation également des élus. En, ex en externe, nous prévoyons la réalisation de plantations participatives, telles qu'elles ont été faites entre autres sur les berges de, 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 de Saint-Clair, mais également donc sur le parc Livet, euh, dans le bois des Frères, à la ferme urbaine et à l'école Ampère. Également, conférences sur la biodiversité réalisées par Anthropologia, réunions de quartier réalisées par Anthropologia, ateliers de sensibilisation sur les pollinisateurs au sein des écoles, visites de stations d'épuration, du centre de tri, du RCU, etc. Valorisation euh, des biodéchets sur les marchés forains. Ce plan s'accompagne également d'une proposition de subvention complémentaire à celle de la métropole de Lyon pour la végétalisation des copropriétés. Ce complément de subvention concernerait uniquement les copropriétés comprises dans les corridors écologiques de la ville euh, soit qui sont déjà créés soit qui sont à créer conformément au plan qui est annexé à ce rapport. Le complément de subvention serait accordé aux copropriétés ayant fait la démarche auprès de la métropole ayant reçu une réponse positive de la part de la commission métropolitaine. La ville de Caluire-et-Cuire exigera que le projet de réaménagement comporte également la mise en place de passages pour la petite faune, qui n'est pas inclus dans le programme de la métropole. Et le complément de subvention sera fixé à 10% des montants éligibles et plafonné à 10 000 euros par copropriété, dans un maximum de 5 accompagnements par an, ce qui représente un budget prévisionnel annuel pour la ville de Caluire-et-Cuire de 50 000 euros. Donc il vous est demandé euh, ce soir d'approuver le principe de mise en place du plan de sensibilisation de la transition écologique. Merci, Monsieur Tollet. Il y a deux demandes d'intervention, M. Matessy et M. Fèvre. Merci, euh, Monsieur Tolet, pour euh, cette présentation. Euh, délibération très, très intéressante et qui montre en fait tout le travail qui est conduit par notre collectivité dans le cadre de, de la démarche envers le climat et la biodiversité. Cette délibération porte sur un des volets du plan d'action caluire ville Durable hein, que, que nous avons voté, et notamment il s'appuie sur la charte de la biodiversité qui a été établie à l'issue d'un diagnostic euh, élaboré avec BioTub. Dans le cadre de ce diagnostic, il y a des prescriptions écologiques qui ont été faites sur des zones urbaines à enjeu, et notamment sur les corridors écologiques, et... et le projet qui nous est présenté ce soir concerne notamment ces copropriétés qui se trouvent dans ces corridors. Cela donne un aperçu du potentiel de la mise en œuvre de, de ce plan. Mais cette charte s'appuie aussi sur trois documents, dont la méthode de calcul du coefficient de biotope par surface. Euh, à l'occasion de cette présentation de ce plan de sensibilisation à la transition écologique, est-ce que vous seriez en capacité de nous donner le coefficient pour l'année 2022 Et si ce n'est pas le cas, ce que je, je pense. Euh, Est-ce que ce serait possible de l'avoir pour le prochain conseil municipal, puisque en fait normalement dans le plan d'action il y a un coefficient qui est calculé chaque année. Donc si c'est possible d'avoir ces éléments qui nous permettent de voir euh, comment en fait cette biodiversité se développe sur notre territoire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Fèvre. Merci. Alors nous nous réjouissons que la majorité nous suive en développant sa communication avec un plan de sensibilisation à la transition écologique. Ce qui a été proposé est très bien, mais euh, dans ce plan, nous, nous voyons principalement que l'adaptation au réchauffement climatique et des, avec des actions de développement de la biodiversité et la question des espaces verts. D'ailleurs, nous n'avons pas tellement d'informations, par exemple sur la formation écotruc. Voilà, qu'est-ce que c'est On a, on a à, nous, à vous nous expliquer. Alors, il est indéniable que ce sujet doit être abordé, euh, mais la sensibilisation ne peut concerner que ces sujets. Nous ne ne contestons pas l'intérêt de ces actions qui sont un pas vers la transition, mais le rapport de GIEC, dont j'espère que vous avez pris connaissance, vu qu'il s'intitule Résumé à l'intention des décideurs, euh, montre que ces, petites, ces méthodes de petits pas ne suffisent pas. La commune de Caluire, qui se veut exemplaire, doit tout mettre en œuvre pour respecter les accords de Paris. Si rien n'est fait, nous aurons un tas les 1,5 degrés de réchauffement climatique dès 2035, selon le dernier rapport. Avec cette hausse... C'est bien l'ensemble du patrimoine végétal actuel de Caluire qui sera impacté. En 2050, la région lyonnaise connaîtra les mêmes températures qu'en Andalousie. Alors, notre patrimoine va être durement touché. Il nous reste que quelques années pour changer nos habitudes avec des actions d'atténuation et de sobriété changer notre mode de façon de vivre, de consommer, de produire et de construire. Le développement de nos sociétés et de nos villes ne peut plus se faire comme avant. Il est urgent de prendre conscience que ce qu'implique de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. De ce fait, ce plan de sensibilisation à la transition écologique est un bon début, d'autant qu'il permet de toucher à la fois la population calurarde et ses agents. Mais il, ne, il devrait être plus ambitieux et évoluer vers l'ensemble des actions à mener sur notre territoire, comme celle du plan d'action de Lyon, climatique neutre en 2030. Merci. Je vous remercie, monsieur Tollet. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, euh, monsieur euh, Matteucci, euh, le CBS, le coefficient de biotope par surface, euh, en fait, on peut. On le calcule à la, à la parcelle, c'est-à-dire qu'on le calcule à chaque fois qu'il y a un programme et qu'il y a une amélioration de ce coefficient de biotope par surface. Bien évidemment, on ne va pas le faire sur l'ensemble du territoire de la ville de Caluire-et-Cuire. Vous imaginez que ce serait bien trop compliqué euh, de, 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 de le pratiquer là-dessus. Donc, c'est sûr que euh, les évolutions, on pourra vous les communiquer dès qu'il y a un programme qui, euh, dans lequel il rentre, euh, on, on calcule ce, ce coefficient de biotope par surface. Bien évidemment, donc cette amélioration, on pourra vous la communiquer. Euh, Monsieur Febvre, le, le, vous, vous avez parlé du truc au, au carré. Donc, le truc au carré, euh, c'est un, un programme, un vaste programme de formation qui a été initié donc, par euh, la, la Direction Générale des Services, qui a été euh, félicité au Territoria, puisqu'on a eu le Territoria d'or grâce à, à, cette, à cette mise en place. C'est une manière de former les agents en interne et se forment entre eux également hein. donc euh, voilà c'est et c'est particulièrement innovant parce que voilà c'est c'est une sensibilisation de l'ensemble des métiers je vous rappelle que dans une collectivité, c'est plus de 60 métiers différents. Et donc, chacun ne connaît pas toujours le, le, le métier de l'autre. Et c'est une manière de, de, de sensibiliser les uns euh, au métier de l'autre et puis de, de comprendre comment fonctionne finalement tout ça et s'harmonise tout ça. Donc, euh, donc, voilà, ce truc au carré, euh, c'est un, un terme un peu, un, peu, un peu barbare, un peu étonnant, mais euh, c'est une belle démarche par rapport à, à tout ça. Alors, bien, ouais, vous venez un petit peu euh, euh, au secours de la victoire. Hein. C'est vrai que, bon, ben voilà, on a un plan de sensibilisation de la transition écologique. C'est vrai que la ville de Caluire ne va pas, va pas sauver le monde. Euh, on le fait, et je le dis régulièrement, on le fait à notre mesure, à notre manière et sur notre territoire. On met en place, euh, ben vous pouvez voir, hein, un nombre d'actions euh, importantes pour la préservation de l'environnement. Euh, oui, j'entends ce que vous dites par rapport aux, aux conclusions du GIEC, mais euh, voilà, on, fait, on fait à notre mesure. Euh, voilà, vous pouvez même comprendre qu'on va même en complément de, de l'action de la métropole. Je pense que c'est plutôt une bonne chose avec euh, ce, cette nouvelle possibilité de, de, de subventionner euh, la végétalisation dans, dans l'éco-propriété du territoire de la ville de Caluire-Cuire. Mais voilà, donc, euh, voilà, je pense que c'est déjà une belle démarche. Et puis petit à petit, chaque année, on va, on va, on va conforter cette démarche de sensibilisation à la transition écologique. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissaient pas le truc, c'est les temps de rencontre utile de Cuir, qui est en interne donc de la ville de Kelua et Cuir. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour... Je vous remercie. Nous poursuivons Monsieur Telet avec le rapport concernant l'attribution de subventions à l'acquisition de pièges à moustiques. Oui, donc afin de lutter contre le développement des, du moustique-tigre hein, sur la commune, euh, sur les communes et, et plus particulièrement sur la commune de calu et cuir euh, Donc le Conseil municipal a approuvé la dé, par délibération de, de juillet 2020 et de juillet 2021 le principe d'une subvention exceptionnelle pour l'acquisition de pièges à, à moustiques. Euh, en 2022, ça a été 53 dossiers qui ont été euh, présentés auprès du Conseil municipal pour un montant total de subvention de 2 783 euros. Et donc, compte tenu de l'intérêt de cette action pour les caluirs rares et afin de continuer à, à couvrir le territoire de ces dispositifs de lutte contre les nuisibles, il est proposé donc de poursuivre cette aide sur 2023. Toutefois, afin de faciliter l'attribution de ces subventions, il est demandé au Conseil municipal de consacrer un budget spécifique pour 2023 de 4 000 euros maximum. Pour le, le subventionnement des pièges à moustiques et d'approuver le formulaire qui permettra au Trésor public de verser directement ces subventions euh, aux demandeurs sur la base de pièces justificatives demandées, ce qui évitera de passer systématiquement à chaque conseil municipal euh, l'attribution la, et la subvention euh, nominative. Donc, il vous est demandé ce soir d'approuver ce nouveau dispositif. Merci beaucoup. Une demande d'intervention. Je M. M. Et, et M. Gillard, mais peut-être quelqu'un du groupe, je pense qu'il interviendra. Je vous en prie. Donc, euh, qui intervient euh, Retirer aussi. Je, je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons, M. Tollet, sur la concession de services relatifs à la mise à disposition, la pose et l'entretien de mobilier urbain pour l'affichage publicitaire et non publicitaire sur le choix d'un concessionnaire l'approbation du contrat de concession. Et l'autorisation de signer le contrat. C'est un, un renouvellement des moyens dont dispose la ville. La ville souhaite se doter de mobilier urbain composé de 20 sucettes double faces et d'une colonne d'affichage à thématique principalement culturelle. Donc le mobilier urbain va être, être mis en, gratuitement à disposition de la ville en contrepartie d'un droit reconnu à l'opérateur économique d'exploiter sur ceci l'une des faces à ses fins publicitaires. Donc, Suite à une mise en concurrence de cinq candidats ont fait l'objet d'une analyse présentée le 8 décembre dernier par la, à la commission de délégation de services publics et de concessions, l'ensemble des, des candidatures ont été admises. Les offres ont fait l'objet d'une analyse sur la base des critères de sélection définis dans la consultation. Et lors de la séance du 3 février, la CDSPC a examiné les offres au vu du rapport d'analyse et elle a mis un avis favorable au classement qui fait figurer en première position l'offre de la société JC Deco. Au vu de l'avis de la CDSPC, une négociation a été engagée. Avec la société JC Deco, suite à une réunion de négociation, le contrat a été finalisé et prévoit, d'une part, la mise à disposition de 20 planètes de 2 mètres carrés, dont 8 dédiés exclusivement à la ville, une colonne d'affichage pivotante, au titre de l'intéressement, la prise en charge de 52 campagnes euh, par an, impression et pause, une enveloppe annuelle de 5 000 euros attribuée à la ville pour sa communication événementielle. La mise à disposition de la ville d'un portail web sur la, mise, euh, sur la mesure pour piloter ces campagnes d'affichage institutionnelles. Donc il vous est demandé ce soir d'approuver le choix de la, la société JC Decaux. Merci, Monsieur Tellet. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport. Euh, en voie. Si, si, si. Pardon. Ah, pardon. Moi, j'en prie. Pardon. Ce n'est pas noté, hein, donc, mais j'en prie. Allez-y. Euh, donc, nous approuvons cette résolution. Toutefois, et pour rappel, étant donné la condamnation de M. Philippe Cochet pour inégalité de traitement entre assistantes parlementaires, avec discrimination en raison de la situation familiale, nous ne lui faisons plus confiance pour engager sa signature comme maire. Et par conséquent, nous ne prendrons pas par au vote. Merci. Alors, M. Febvre, oui. euh, je crois que vous avez fait parvenir récemment une demande de formation que j'ai signée. Donc, j'espère que vous n'assumerez pas cette formation pour que vous soyez en totale euh, comment dire, correspondance avec ce, que, avec ce que vous venez de dire. Donc, je, je mets ce si rapport au voie. Je ne sais pas si ça concerne Je ne sais pas non Donc, plus si qui a une pour, de ce qui est pour, contre. Ce rapport est adopté. Nous euh, poursuivons avec le rapport euh, suivant. Le rapport 2023-32 concernant le cahier des charges de rétrocession du droit de bail est situé au 89 rue Pasteur. Et je cède la parole à Madame Friolle. Merci, Monsieur le Maire. La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a reconnu aux communes le droit de préempter les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Ce droit de préemption constitue un outil stratégique pour la redynamisation de la vie commerciale. Il offre aux communes une possibilité d'agir directement pour préserver la diversité des activités. Ce droit de préemption existe pour toutes les sessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de bons commerciaux qui interviennent dans un périmètre déterminé par le Conseil municipal et appelé périmètre de sauvegarde du commerce de l'artisanat de proximité. Par délibération du 26 juin 2018, le Conseil municipal a décidé d'instaurer ce périmètre de sauvegarde et de donner délégation générale au maire pour exercer le droit de préemption. Commercial sur le quartier de Montsuy, incluant la rue Pasteur. La ville a exercé ce droit de préemption sur le fonds de commerce du salon de coiffure situé au 89 rue Pasteur par arrêté du 19 janvier 2023. La ville doit désormais rétrocéder l'intégralité de fonds de commerce si elle trouve un repreneur ou, à défaut, seulement le droit au bail pour implanter une nouvelle activité et sous réserve de l'accord du bailleur. Un cahier des charges doit être mis au point et soumis à l'avis du Conseil municipal avec possibilité de consultation en mairie par tout artisan et ou commerçant intéressé. Un avis de publicité sera également affiché. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le cahier des charges de rétrocession et le dossier de candidature. Merci. Je vous remercie, Madame Friol. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport-voix. Qui est pour Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 033, Madame Friolle, sur la convention entre la ville de caluire et la Chambre des métiers et de l'artisanat, au rhône alpes Merci, Europe. Monsieur le maire. La crise énergétique affecte tous les secteurs économiques, y compris les artisans. En effet, les artisans utilisent une grande quantité d'énergie pour leur activité, que ce soit pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les machines-outils ou encore les véhicules utilitaires. Ils font face à des factures d'énergie de plus en plus élevées. Face à cette situation, les artisans ont besoin de solutions efficaces pour réduire leur consommation d'énergie et limiter les coûts. Dans ce contexte, la ville de Caluire et Cuire et le CMA, Lyon-Rhône, ont décidé de s'engager dans un partenariat. Ce partenariat se traduit par une convention pour accompagner les artisans pendant cette période difficile. La convention est établie pour l'année 2023. Cette convention comprend deux actions de sensibilisation et d'accompagnement. Action 1 sensibilisée par une information collective sur les différentes aides apportées aux entreprises pour financer les dépenses en énergie et pour une plus grande sobriété énergétique. Pour une plus grande sobriété énergétique pardon. Cette réunion a eu lieu le 2 mars dernier et une vingtaine de professionnels étaient présents. L'action de organiser un atelier collectif, chaque participant sera accompagné pour réaliser un autodiagnostic énergétique. Et pour identifier les actions qui permettent, qui peut mettre, pardon, en place dans son entreprise, l'objectif est de pouvoir accompagner cette entreprise. Pour soutenir ces actions, il est proposé de soutenir financièrement la CMA Lyon-Rhône à hauteur de 1 470 euros. Il est ainsi demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat, d'autoriser Monsieur le Maire à la signer, d'attribuer une subvention de 1 470 euros à la CMA. Lyon, Rhône, merci. Merci, Madame Friol, et de mon intervention de M. Matussi. Merci. J'approuve cette initiative d'une collaboration avec la Chambre des métiers et l'Artisanat en faveur de nos artisans locaux pour les aider à supporter les surcoûts énergétiques et à s'engager dans la transition écologique. Mais je voudrais quand même faire une parenthèse et je voudrais faire appel à l'article 9 de notre règlement intérieur pour un rappel au règlement monsieur le conseiller municipal Philippe Cochet. Euh, en effet, le, sur le vote précédent, on n'a pas pu s'exprimer, alors qu'on qu dem avait, avait demandé la parole été, en réunion des chefs de groupe. Dit, Attendez, je, je, suis, je vous laisse je séparer, non, 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 donc détendez-vous. Mais, détendez -vous. Je suis dans mon mais simplement, on s'exprime à propos non, non, du rapport qui est présenté. Pas... Non, mais vous permettez que non, je vous laisse la parole mais Donc, euh, non, non, on s'exprime sur le non, rapport non, qui oui, est présenté. et On n'essaye pas d'utiliser des artifices, L'article 9 rappelle au règlement. J'ai le droit de le faire, donc je le fais voilà donc compte tenu de l'intervention que j'ai faite lors du précédent conseil municipal justement concernant un rappel au règlement et notamment au non respect de la, lue, de la charte de l'élu local suite à, à, à la condamnation qui euh, a touché notre collègue conseiller municipal philippe cochet considérant que le pacte de confiance euh, est rompu et que nous avons demandé à M. Philippe Cochet, conseiller municipal de la ville de Caluire-Fort, bon, de se écoutez, mettre en retrait. J'ai le droit d'intervenir, non, non, rappelle non, non, le règlement non, 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 non. Je rappelle le règlement. la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui le demandent. Et donc, c'est uniquement sur cette démarche-là où on va passer. Donc, cela afin de préserver donc, la valeur de la signature. Je vous remercie par de votre intervention. Et je vais donc ensuite céder la parole à la demande municipal de ce qui a été proposé tout à l'heure. Et donc, dans cette approche-là, nous allons mettre ça au vote. Qui est pour Contre Vous avez voté contre ou vous êtes abstenu, monsieur Matussy donc, donc, vous ne prenez pas part au vote Très bien, ça fera plaisir, effectivement, aux membres de la, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vous remercie. Nous poursuivons avec, avec le rapport numéro 34, euh, donc euh, sur un don de véhicule à l'Association des secouruses de la Croix-Blanche. Croix et je cède la parole à madame Ménon. Merci, monsieur le maire. <coughs> La fédération des secouristes de la Croix-Blanche est présente sur tout le territoire national. À Calure-et-Cuire, l'association de la Croix-Blanche Croix participe aux manifestations de la ville pour proposer des postes secours. Nous avons pu la voir dernièrement au repas de l'amitié et à la ferme à la ville. Pour mener à bien ses activités, l'association dispose d'un véhicule vieillissant. Elle cherche donc à le remplacer et sollicite la commune à cet effet. Compte tenu du service rendu par l'association, il est proposé de lui faire un don d'un véhicule. D'un véhicule de marque fort de transit destiné à la réforme, dont la valeur est destinée à 4 000 euros. Il est précisé que les frais de remise en état du véhicule seront à la charge de l'association. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le don d'un véhicule fort transit à l'association des secouristes de la Croix-Blanche. Merci, Madame Ménant. Il demande intervention de Monsieur Matussy. Très bien. Vous ne prenez pas part au vote. Donc, très bien. Euh, je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Contre. Vous êtes pour ou vous êtes contre Je connais pas. Non, mais si vous votez pour ou pas Il faut que vous suiviez. Non, non. Alors, je refais le vote. Qui est pour Alors, donc, vous votez pour. Il y a une incompréhension euh, dans votre manière de faire. Mais suivez, euh, suivez euh, adoptez à l'unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 35 sur le soutien aux athlètes locaux de haut niveau. Et je cède la parole à monsieur Couturier. Merci. Donc, euh, comme chaque année, vous savez que nous engageons. Euh, dans le cadre de la politique sportive qui est menée par la ville de Calduire et nous souhaitons soutenir les sportifs de haut niveau. Donc, euh, nous tenons compte euh, d'une liste qui est arrêtée par le ministère de la Jeunesse et des Sports euh, à la date du 1er janvier de l'année antérieure. Euh, cette année, euh, nous avons donc trois catégories comme l'année dernière la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Mais nous avons euh, souhaité élargir le champ des possibles pour avoir le plus d'athlètes possibles. Et donc, nous avons modifié un tout petit peu euh, l'attribution par rapport aux, aux conditions, j'irais, de ces sportifs, puisque maintenant, les catégories C et B, en fait, on demande simplement à ce que euh, les athlètes soient domiciliés sur la ville de Caluire et ne soit pas seulement domicilié et adhérent à un club. Donc l'une des deux possibilités peut faire en sorte que l'athlète peut rentrer dans cette catégorie. Ce qui fait que cette année nous avons huit athlètes et je suis heureux parce que c'est vrai que cette année c'est particulier. Nous allons avoir à la fois de l'haltérophilie, du cyclisme, de l'escalade. Donc voilà, tout ça ce sont des athlètes qui sont résidents sur notre commune et qui font du sport de haut niveau. Donc euh, le montant des subventions euh, est de l'ordre de 2 500 euros pour les athlètes de catégorie A, 2 000 euros pour les catégories B et 1 500 euros pour les catégories C. Je vous donne la liste des, des personnes qui, ont, qui peuvent bénéficier donc, de, ces, de ces aides. Il s'agit de Mathieu Androdias donc pour les catégories A, ainsi que Antoine Garcia en catégorie B, Elsa Jacquemot et Jade Théolis et en catégorie C. Catégorie espoir, on a Émilie Buffard, Louise Clotaire, Eleonore Frutos et Elisa Martin-Borry. Voilà, donc, euh, comme le disait effectivement Monsieur le maire en début de ce mandat, euh, de ce conseil, pardon, en fait, nous, nous recevons donc nos athlètes de haut niveau, justement, pour signer avec eux une charte dans laquelle ils s'engagent également à œuvrer au, avec la collectivité dans une démarche citoyenne également. Pour euh, pour ce pour développer le sens éducatif du sport et de la pratique de haut niveau euh, dont ils font partie. Voilà donc nous demandons au Conseil municipal, Monsieur le Maire, euh, d'approuver les termes de ce de ces accords et bien sûr que vous signiez euh, cette euh, ces conventions qui auront lieu avec nos athlètes. Merci Monsieur Coutoïe, demande d'intervention de Monsieur aussi. Madame ah, mais... Jean, pardon. Madame ce Gilles. sera Madame G1, mais c'est pareil. Monsieur le maire, mes chers collègues, euh, nous, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur euh, ce soutien. Nous, nous saluons ces jeunes qui s'engagent dans la voie de l'excellence par le sport. Euh, ils ont de la ténacité, ils font partie des meilleurs d'entre nous et ils portent fièrement les couleurs de notre nation. Ce sont des jeunes qui, dans le sport, par leur performance, se sont engagés dans une voie très dure. Ils continuent leurs études ils essayent de concilier vie familiale et professionnelle et dans un esprit, certes, de compétition, mais aussi de rayonnement pour notre ville et pour notre pays. Merci. Merci pour ce soutien, Mme Géant. Une demande d'intervention de M. Fèvre. Merci. Alors nous soutenons euh, totalement cette, euh, cette délibération et nous soutenons aussi, évidemment, les athlètes locaux. Mais pour rappel, nous ne prendrons pas part au vote, puisque, étant donné la, condam Donc, la condamnation... Donc je mets ce rapport non, au voie, qui est M pour... Monsieur, vous êtes censé me laisser terminer, c'est inadmissible en fait. Abstention, ouais. je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 36 sur la délégation de services publics pour la gestion un et l'exploitation de l'équipement culturel, le radian, On le dans les réunions des... vous plaît. On s'inscrit dans, dans les réunions des chefs, vous plaît. Non, non, des, des vous plaît. chefs de groupe vous me permettez. pour prendre la parole, euh, puisque c'est écrit dans le règlement intérieur. Tout à vous avez demandé à ne pas intervenir. Donc, nous en sommes au rapport 2023-36 sur la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation de l'équipement culturel, le radian, sur le choix du délégataire et sur l'approbation du contrat de délégation de services publics, l'autorisation de signer le contrat, l'approbation des tarifs. Et je cède la parole à M. Joubert, puis à M. Tollet. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, le, le contrat de délégation de services publics pour la gestion de, et l'exploitation de l'équipement culturel du radian, conclu avec la société Bellevue SAS. Euh, le 1er juillet 2017 prendra fin, donc le 30 juin 2023. Après approbation du Conseil municipal, la procédure de mise en concurrence a été relancée. Une seule candidature a été déposée par la société Bellevue. Lors de sa séance du 8 décembre dernier, la commission de délégation de services publics et de la concession a, a, a procédé à l'examen de sa candidature. Lors de cette séance, la CDSPC a admis la candidature de la société Bellevue SAS. Par la suite, l'offre a fait l'objet d'une analyse détaillée. Lors de sa séance du 3 février, la CDSPC a examiné l'offre au vu du rapport d'analyse. Elle a émis un avis favorable à l'offre de la société Bellevue SAS. Et au vu de cet avis, une négociation a été engagée avec la société Bellevue SAS. Deux réunions de négociation ont ainsi été organisées. Suite à la phase de négociation, il est proposé de retenir l'offre de la société Bellevue SAS qui répond aux attentes de la ville exprimées dans le contrat. Suite aux négociations, le contrat prévoit un engagement minimum de 85 levées de rideaux, un engagement minimum de deux résidences, un intéressement fixé à 30% du résultat net. Une redevance euh, fixée à 13 000 euros et la participation financière de la ville en compensation des obligations de services public à 862 000 euros net. Donc, il vous est demandé de, prononcer le, le, de vous prononcer ce soir sur le choix de la société Bellevue. Mais je vais laisser peut-être la parole à M. Joubert pour compléter ce rapport. Donc, je viens. Merci, Monsieur Tollet. Merci, Monsieur le maire. Donc, je viens en complément de cette présentation. Donc, euh, l'offre négociée effectivement répond tout à fait aux attentes de la ville exprimées dans le contrat. La société Bellevue SAS propose une programmation culturelle diversifiée et son offre s'inscrit dans la continuité avec une programmation éclectique et intergénérationnelle. Suite aux négociations, comme vous l'aviez précisé, M. Monsieur, monsieur Tollet, euh, donc le contrat prévoit notamment par an un engagement minimum de 85 levées de rideaux, le maintien de six levées de rideaux minimum pour les spectacles de cirque, magie et surtout visuels. Un engagement minimum de deux résidences de création. Et je compléterai avec des spectacles spécifiquement destinés aux enfants des écoles. Ceux-ci seront accompagnés d'actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des classes concernées. Un maintien du tarif à 5 euros pour les élèves des écoles de Caluire. L'objectif est d'assurer une programmation éclectique. Avec, comme pour le fond, les grands, comme le font les grandes institutions, des spectacles diversifiés en termes de prix, mais aussi de thématiques, afin de toucher le plus large public. Merci. Merci pour ces précisions et merci pour cette belle négociation que vous avez pu mener, donc avec ce prestataire. Et donc, à demande d'intervention, monsieur Matossi et donc monsieur Gillard. Merci. Je vous l'avoue, si la procédure s'est faite dans les normes, il reste un certain nombre de questions. Vu l'importance de la concession de services publics pour la gestion et exploitation de la salle de spectacle à on ne peut que regretter euh, l'état de fait et se demander pourquoi il n'y a eu qu'une seule offre de candidature. Il est difficile, en effet, de comprendre qu'une salle comme Le Radian, implantée au sein de l'agglomération lyonnaise, qui propose un volume important, euh, comme il a été dit, de, de, de spectacles, permettant de de très nombreux spectateurs et, re, et qui représente une possibilité de proposer une œuvre culturelle exceptionnelle ne puisse attirer les convoitises d'autres candidats. Les candidats potentiels ont-ils été dégoûtés par le quai des charges Je ne sais pas. Euh, y a-t-il eu des arrangements Je ne sais pas non plus. En tous les cas, la question se posait déjà en 2017. Elle se pose toujours. Je... Je... Nous avons opté pour une concession de 10 ans pour permettre un amortissement d'investissement. Soit, mais notre lien avec le concessionnaire, qui certes a changé de nom depuis l'origine, fera porter une concession, la concession sur plus de 21 ans, puisqu'elle a démarré en 2012. Une vraie privatisation d'un outil culturel public. Un propos rapporté dans le PV de la négociation a de quoi nous interpeller lorsqu'un des représentants du concessionnaire, enfin celui qui postulait, explique que ce, que, en parlant des, du, du cirque et de la magie, explique qu'il attire essentiellement un public de proximité, mais pas au-delà, et il le regrette. La vocation du radion est pourtant d'être un équipement de premier usage pour les caluies rares. Certes, on, on, je reconnais, il faut reconnaître qu'il y a une ouverture sur l'extérieur, mais quand même, il y a de quoi s'interroger. Je reconnais également que vous lui avez fait revoir sa copie, mais cela révèle quand même la volonté profonde du projet porté par le concessionnaire. Il y a également d'autres questions, mais cela nous conduirait au bout de la nuit. Il y en a néanmoins quelques-unes que j'aimerais euh, pointer, celle de l'évolution des tarifs. Euh, qui reste quand même inquiétante, une évolution des maximums entre 33 et 65 L'évolution de tarifs, notre 65 c'est pour les têtes d'affiche, puisque le tarif maximum pour arriver à 100 euros. Il n'y a aucun doute ici, il y a, a peut-être un effet d'inflation, mais on peut aussi peut-être y voir les effets du retrait de la région auprès du spectacle vivant. Un autre point mérite notre attention, c'est l'évolution de la subvention, qui passe de 753 000 à 862 000 euros. 870 000 euros, oui, tout à fait. Il semblerait que cette augmentation, telle que c'est exposée, soit la conséquence des ajustements légitimes que la commune a demandé lors de la négociation. Il me semble que le concessionnaire génère un chiffre d'affaires consolidé qui lui permet largement de couvrir cette différence de 100 000 euros. Et d'autant que dans cette évolution, il n'y a pas de contrepartie supplémentaire pour la ville en tant que collectivité, ni pour les associations locales. Ce n'est pas l'intéressement sur le chiffre d'affaires net qui compensera car sous les 11 dernières années, le résultat était souvent négatif. Pire, dans cette nouvelle concession, la redevance d'affermage évolue de 3 000 euros, c'est-à-dire la même somme minimum que devait verser, quoi qu'il en soit, le concessionnaire jusqu'à aujourd'hui. Au vu de tous ces, de tous ces éléments, euh, je suis contre l'approbation du contrat et des tarifs, mais que les choses soient claires, je ne participerai pas euh, à ce vote, bien que je sois contre, car je ne reconnais pas la validité de la signature qui sera engagée sur ce contrat. Donc, je, 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 je le dis bien fort, puisque vous ne voulez pas me laisser parler. Et je vous rappelle quand même, l'article 9-1 dit que vous devez accorder la parole à qui la demande. Donc, je ne participerai pas à C'est moi qui accorde la vote. parole et je vous ai accordé la parole, donc je vous en prie. Euh, Monsieur Fèvre. Madame le Carpentier, alors. Donc. Merci. Donc, euh, nous allons le rappeler encore ce soir. Nous, nous sommes opposés au principe de la délégation de services publics à une société privée pour assurer la gestion du radiant. Cette DSP saisit, désaisit la ville d'un équipement culturel financé par les habitantes et habitants de Caluire. Et en plus, il nous est proposé une DSP pour 10 ans, c'est-à-dire que la ville va être liée au même exploitant jusqu'en 2033. Enfin, il n'y a toujours pas de tarifs spécifiques pour les habitantes et habitants de Caluire-et-Cuire. Nous maintenons donc notre position déjà exprimée lors du conseil municipal du 4 juillet 2022. Le cadre d'un établissement public de coopération culturelle serait plus approprié pour gérer un équipement culturel tel le Radian, et nous voterons donc contre cette délibération. Merci, Monsieur tolet. puis ensuite peut-être. Euh notre adjoint, oui, je, vais, je vais répondre sur quelques, quelques interrogations, euh, plutôt, plutôt peut-être fi financières. Euh, une délégation de service public de 10 ans, pourquoi Parce que euh, la société Bellevue va investir 500 000 euros euh, dans l'amélioration de l'éclairage et du son euh, du radiant. Donc, ce qui évite à la ville de Caluire d'investir euh, cette somme. Et c'est la raison pour laquelle cette délégation a été euh, repoussée. Euh, pour ce qui est des tarifs, euh, Madame le Carpentier, nous, on applique la loi et on n'a pas le droit de faire des tarifs différenciés entre les rares et les non-Caluireurs sur un équipement tel que celui-ci. Donc, euh, nous respectons la loi et nous maintenons bien évidemment ça. Euh, simplement pour vous dire qu'il y a quand même un tout petit côté préférentiel puisque on ouvre normalement aux rares un petit peu avant mais ça vous le dites vous le direz surtout pas parce que peut-être qu'on n'aura pas le droit euh, de, de, de faire ça mais euh, voilà les rares ont quand même une petite préférence puisqu'ils peuvent euh, réserver leur, leur, leur spectacle un petit peu avant à, avant les autres simplement sur quand même sur euh, sur la délégation 750 000 euros euh, 753 000 euros elle n'avait pas bougé depuis la première délégation de services publics euh, qui date de 2009 ou 2010, hein, me semble-t-il. Donc plus de 12 ans sans, sans augmenter euh, la, la, la contribution de, de la ville de Caluire pour cette délégation de services publics. Bien évidemment, bah, il fallait bien que ça, ça évolue quand même, parce que je, je ne connais pas de prestataire qui n'augmente pas en 12 ans euh, sa, sa prestation et, et, et le financement de, de tout ça. Mais... Euh, pourquoi une seule candidature ben alors là, je peux... Ça a été fait dans les règles, vous l'avez dit en introduction, on a, on a publié suffisamment longtemps, on a laissé suffisamment longtemps pour que les candidats qui pourraient se, se, se venir répondre puissent, puissent faire, faire le nécessaire. Eh bien, il n'y a eu qu'un seul candidat. Donc, euh, M. Euh, Gilliard fait partie de cette commission. Il n'a rien dit lors de la commission quand, qu on, a, quand on a ouvert les plis. Euh, bah voilà, Il n'y avait qu'un qu seul candidat. Mais moi, je rappellerai quand même, euh, par rapport à la délégation de services publics, par rapport à, à, à une gestion, Moi, je, je trouve que quand même, euh, si on fait un petit retour en arrière, on est quand même passé de 20 000 spectateurs par an, 20 000 par an à plus de 200 000 par an. C'était avant une, une gestion associative, là c'est une gestion peut-être de droit privé, mais qui, qui permet finalement... De profiter de, de, de la culture, de faire profiter de la culture beaucoup plus de, 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 de personnes. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est une, une belle réalisation. Et je crois qu'on peut être fier. On peut être fier de notre radier en Bellevue parce que, euh, voilà, il rayonne, il rayonne bien plus que la ville de Caluire, bien plus que la métropole. Il rayonne pratiquement au niveau national. Donc, euh, moi, je crois que le choix était le bon euh, de faire une délégation de services publics. Monsieur Joubert, vous voulez rajouter quelque chose Je crois que tout a été dit. De toute façon, la ville gagne à avoir une qualité de service, de proposition, de programmation. Et qu'effectivement, c'est un, un plus pour notre ville, avec un partenaire de qualité et qui a un éventail de relations très important, ce qui fait que ça nous permet d'accueillir des, des vedettes niveau international. Donc c'est vraiment une, une belle vitrine pour la ville. Et je rappelle que pour les enfants, nous avons maintenu le prix de 5 euros. Et ce n'est pas simplement une marionnette avec une personne, c'est un vrai spectacle. Et je crois que c'est la grande différence aujourd'hui. Le Radiant Bellevue a une notoriété qui dépasse largement nos frontières et pour cause. Passer de 20 000 spectateurs à pratiquement 200 000 spectateurs par an, c'est juste une gageure. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre de spécialistes et de, de personnes qui sont impliquées dans la culture depuis des années viennent voir comment fonctionne le Radiant. Parce qu'ils se rendent compte que... L'ancien système ne marche plus, et heureusement que nous avons le Radiant, c'est-à-dire une garantie d'avoir une variété absolument incroyable, et surtout avec un public très très divers et euh, bah, qui arrive à s'autofinancer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien évidemment euh, la meilleure des choses qui puisse arriver. Et en tout cas, je note que vous allez voter contre le Radiant, et ça, c'est important parce que c'est un point important. Oui, je vous en prie, Viviane. Si je peux me permettre, euh, pour avoir travaillé quasiment tous les ans avec le Radian, ils sont toujours, euh, toujours positifs et toujours prêts à recevoir le Conseil municipal des enfants, à leur présenter euh, un, un petit spectacle, leur, leur montrer euh, l'envers du décor, si je puis dire. Et vraiment, pour les enfants, en tout cas du Conseil municipal des enfants, c'est un vrai plus. Merci. Merci pour cette précision. Je mets donc ce rapport au voie qui monsieur, est pour. Monsieur le maire, pardon donc, qui est pour, le, vote est, le vote est en cours. Qui est pour euh... Contre Abstention Donc vous abstenez ou vous votez contre Contre. Et vous, monsieur Oui, donc, donc vous ne votez pas pour le radiant. Je vous remercie. Nous poursuivons, monsieur Michon, avec le rapport 37 sur le service d'autopartage de voitures en libre-service sans station d'attache. Et c'est le renouvellement du dispositif. Oui, merci, monsieur le maire. L'évolution des modes de vie, des moyens de transport et la nécessaire prise en compte de l'environnement ont conduit la ville à engager une réflexion globale sur la mobilité en parallèle du plan vélo qu'elle a adopté en 2019. Soucieuse de pouvoir offrir d'autres alternatives de déplacement aux lui rare, la ville a proposé sur son territoire par délibération du 19 octobre 2021 un service d'autopartage de voitures en libre-service sans station d'attache. À l'issue des six premiers mois de l'expérimentation, le pourcentage de stationnement des véhicules s'élevait à 52%, ce qui confirme l'utilité de ce dispositif, puisque ce mode de transport est largement utilisé par les Calvérards. La Ville souhaite donc renouveler ce dispositif au bénéfice des Calvérards. Conformément à la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, ce service constitue une occupation du domaine public. Qui doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité détentrice du pouvoir de police de stationnement, le maire, et du versement d'une redevance. L'autorisation d'occupation du domaine public sera conclue à titre précaire et révocable pour une durée de 4 ans. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement du service d'autopartage de voitures en libre service sans station d'attache pour une durée de 4 ans de dire que le montant de la redevance d'occupation du domaine public est fixé à 120 euros par voiture et par semestre. Que l'encaissement pourrait être proratisé selon le taux d'occupation du domaine public réel des véhicules, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre de ce dispositif. Merci, Monsieur Michon. Il y a demande d'intervention de M. Matosi et du groupe de M. Gillard. Je vous remercie, Monsieur Michon, pour cette présentation. Je soutiens le dispositif euh, Les Go euh, qui se développe sur, nos, sur notre ville et on a pu en parler de tout l'intérêt du coatturage. Mais pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, je ne participerai pas à ce vote. Votre groupe, monsieur. Alors, Madame nous, nous, Madame nous, le nous, nous, nous nous réjouissons du succès du service d'autopartage, qui est une véritable alternative à la voiture personnelle. Une voiture en autopartage peut remplacer de 5 à 8 véhicules et réduit, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre. Nous approuvons cette résolution, mais toujours pour la même raison, nous ne prendrons pas. Au vote. Très bien, je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 038 sur le service partagé de trottinette électrique en free-floating et je cède la parole à monsieur Michon. Oui, je vous remercie. Selon le même principe et le même règlement, le même cadre réglementaire sur le rapport précédent et dans la ligne de son plan vélo, la ville a engagé une réflexion sur les autres modes de déplacement doux et En particulier les trottinettes électriques en libre service free-floating, alternative prisée au cycle et transport en commun. Par délibération du 5 juillet 2021, la ville de Caluire et cuire a expérimenté un service partagé de trottinettes électriques à destination des calurares pour une durée de six mois, reconductible une fois. Sur les six premiers mois de l'expérimentation, 90 000 trajets ont été effectués en trottinette. 21,5 des trajets sont effectués en intra commune et quatre trajets sur 5 permettent, permettent de réaliser une desserte de la ville de Lyon. La distance moyenne des trajets est de 2,8 km, ce qui confirme que ce mode de transport ne remplace pas les déplacements piétons, mais plutôt les petits trajets en voiture. L'intérêt du service est donc avéré, et la ville de Caluire-et-Cuire souhaite par conséquent renouveler le dispositif. L'autorisation d'occupation du, du domaine public sera délivrée pour une durée de quatre ans le ou les opérateurs sélectionnés pourront déployer sur le domaine public un maximum de 150 trottinettes. La commune se réserve le droit de modifier le nombre de trottinettes autorisées sur le territoire en cours d'exécution de la convention, notamment pour garantir la tranquillité publique et la sécurité des usagers du domaine public. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement du service partagé de trottinettes électriques en free floating pour une durée de 4 ans, de dire que le montant de la redevance d'occupation du domaine public est fixé à 60 euros par an et par trottinette, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents relatives à la mise en œuvre de ce dispositif. Merci Monsieur Michon. Une demande d'intervention du groupe de M. quoi M. le maire, donc, mes chers collègues, donc, si nous sommes donc, tout à fait d'accord sur, sur la présentation donc, de ce dossier, on ne pourrait quand même que s'interroger sur ces fameuses trottinettes qui font couler beaucoup d'encre. Qui se disent donc être donc un donc un donc une circulation douce, un mode doux, mais quelque peu donc agressif donc aussi pour les piétons et j'ai aussi donc les vélos puisque donc il est de plus en plus donc difficile donc à circuler quand on est un piéton. En même temps donc euh, elles nous font euh, regretter donc euh, les trottinettes de nos enfants puisque quand on avait juste un pied donc dessus, c'était un petit peu moins donc, accidentogène, et qu'en même temps peut-être que, que nos enfants donc, étaient plus respectueux donc du code de la route et donc de la liberté d'autrui. Euh, sauf que maintenant donc, les utilisateurs donc, font n'importe donc, quoi, donc, il n'y a pas de réglementation. Peut-être que il faudrait donc avoir donc, au moins donc, sur la commune donc, une réglementation puisqu'on on a voté donc euh, la donc euh, la verbalisation donc euh, de la verbalisation, mais les trottinettes ne sont pas et les vélos ne sont pas immatriculés, donc passent en dehors donc de tout tout contrôle. Les utilisateurs donc de trottinettes donc n'ont pas donc de casque, donc ils passent donc en dehors donc de tout contrôle. Et puis en même temps donc je reviens donc sur les piétons, donc les piétons sont donc les parents pauvres donc de la circulation, alors que c'est réellement le mode le plus doux. De circulation. Merci, M. Faberou. Oui. oui. Enfin, M. Fèvre. Il de mon intervention d'abord de M. Matteussi, après de votre ah, groupe, tiens. M. Matteussi. Merci, euh, M. Michon. Euh, bah, écoutez, je, je soutiens ce dispositif qui fonctionne sur notre ville. Euh, Peut-être qu'un jour, on fera un référendum et on verra, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher. Toutefois, pour les mêmes raisons que j'ai exposé précédemment et ne reconnaissant pas la validité de la signature, je ne participerai pas. Au vote. Monsieur Febvre. Merci. Alors pour la petite anecdote, les plaques d'immatriculation ont été inventées au parc de tête d'or sur les Rosalie. Donc peut-être qu'il y aura une innovation à caluire. Euh, donc nous nous euh, réjouissons du succès du, par du service partagé de trottinettes. Les trottinettes sont aussi une alternative à la voiture individuelle. Nous sommes toutefois inquiets en, de voir ces trottinettes se déplacer dans un flux de véhicules roulant en 5 km/h. Aussi inquiets aussi des incivilités qu'il peut y avoir. Nous sommes impatients que Caluire mette en application son plan Ville 30 avec des bandes cyclables. Voilà, malgré le fait que nous approuvons cette résolution, nous ne prendrons pas, donc pas part au vote. Merci. Merci. On pourra même faire un référendum sur la voie verte, par exemple. Je pense qu'on pourrait être intéressant aussi, ça dessus, avec le partage notamment des mobilités. Je mets donc ce rapport au oui, voie. Qui... Peux... Ah, pardon, excusez-moi. Vais... Il y a, monsieur, je, euh, il y a euh... Laurent Michon qui voulait euh, voilà, une précision. apporter quelques Éléments de réponse à Monsieur Attar Bayrou et indiquer à Monsieur Fèvre que les opérateurs qui interviennent avec les trottinettes sont des opérateurs privés et que ce n'est pas nous qui allons immatriculer les trottinettes des opérateurs privés. Mais euh, sachez tout de même que les nouvelles trottinettes qui sont déployées sur la ville de Lyon, qui sont les mêmes que celles que nous avons sur la commune de Calure et cuire sont petit à petit immatriculées. Si vous regardez bien, les trottinettes, euh, au fur et à mesure, elles sont, elles sont immatriculées et euh, les opérateurs qui sont en place sur la ville de Lyon et qui, euh, à terme, lors du renouvellement du marché, devraient être les mêmes que celles que nous aurons sur Caluire-et-Cuire, pour qu'on ait une certaine cohérence dans les déplacements. Euh, eh bien, il y a de nombreuses innovations qui commencent à être déployées ou qui vont l'être dans les euh, un à deux ans à venir. Euh, pour vous citer quelques exemples, euh, une personne qui monte sur sa trottinette avec un casque qui envoie la photo à l'opérateur se verra attribuer une, une réduction tarifaire sur son déplacement ou son abonnement. Euh, des personnes qui seront deux sur la trottinette, il y a une étude en cours de la part des opérateurs, ça devrait se déployer prochainement. Euh, les trottinettes seront équipées de capteurs qui pourront repérer qu'il y a deux personnes et la vitesse sera limitée à 5 km heure. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont en place, qui sont déployés. Et pour votre bonne information, nous avons sur la commune, depuis le déploiement des prestations, euh, des opérations de trottinettes en free floating, 99% des trottinettes qui, euh, qui restent en bon état, donc c'est quand même plutôt bon signe. Et nous n'avons nous reçu aucun, aucun courrier, à ma connaissance, de, de, de désagréments ou de, ou de difficultés par rapport à, à ces, ces scrotinettes, en tout cas sur notre commune. Donc c'est pour ça que le bilan étant positif, nous proposons en effet de renouveler l'opération et de la mettre dans le temps sur une durée de 4 ans. Merci pour ces précisions. Je mets donc ce rapport en voie qui est pour. Je vous remercie. Euh, nous poursuivons avec la convention de partenariat euh, et de la ville de Calua-Cuire et, et le centre d'accueil de jour des Villanelles. Je vous cède la parole, Monsieur Michon. Oui, merci, Monsieur le maire. Le centre d'accueil de jour, les Villanelles, est implanté sur le territoire communal depuis 30 ans au 56 rue Pierre-Brunier. Il s'agit d'un foyer de vie sans hébergement géré par la fondation OVE, une organisation reconnue d'utilité publique depuis 2013. Le centre accueille et accompagne des personnes âgées de 20 à 62 ans en situation de handicap avec troubles du neurodéveloppement. Il propose un milieu de vie favorisant l'épanouissement personnel et l'insertion. L'inclusion des personnes en situation de handicap constitue pour la collectivité un objectif constant et un bénéfice partagé. Les activités menées par le service parc et, parc et jardin, le contact avec la nature, la marque des saisons, l'embellissement du paysage commun, L'agir dans l'espace public, les techniques du travail de la terre et des végétaux constituent autant d'opportunités pour les personnes en situation de handicap de se valoriser, de réaliser un projet partagé et visible et de mettre en œuvre leurs compétences sociales et professionnelles. C'est ainsi qu'un partenariat entre la ville et le centre Les Villanelles permettrait la mise en place d'ateliers participatifs avec le service Parc et Jardin. Un petit groupe de personnes en situation de handicap. Volontaires et mobilisés par le centre, accompagnés de leurs éducateurs spécialisés, rejoindraient les agents du service municipal des parcs et jardins pour des ateliers participatifs. Il est proposé d'expérimenter ces ateliers ponctuels jusqu'à juillet 2023. Fort de ces expérimentations, la ville de Caluire-et-Cuire et le centre des Villanelles conviendront, le cas échéant, d'une nouvelle convention à compter de septembre 2023. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat et d'autoriser M. le maire à la signer, ainsi que d'éventuels avenants ultérieurs. Je vous remercie M. Michon de mon intervention, de M. Mettouchi, également du groupe de M. Gilliard. Merci euh, M. Michon à nouveau, euh, et je soutiens cette initiative et le travail qui est engagé avec euh, cette association, mais comme pour les projets euh, précédents, je ne participerai pas au vote, ne reconnaissant pas la validité de la signature du conseil municipal Philippe Cochet. La parole est au groupe de M. Gilliard. Donc nous approuvons cette résolution qui participe à faire de Caluire une ville inclusive, mais là aussi, nous ne prendrons pas part au vote, toujours pour la même raison. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bien du plaisir. Vous ne votez pas pour la culture, vous ne votez pas pour la sécurité, vous ne votez pas pour les handicapés. Je vous laisse bien avec ceci. Je mets donc ce rapport au voix qui est pour. Je vous remercie. Et nous poursuivons maintenant avec le rapport 40 sur la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville de Calua et CCAS pour la passation et l'exécution d'un marché public d'assurance. Monsieur le maire, mes chers collègues, les marchés actuels de prestations de services en assurance pour la ville et pour le CCAS ont été conclus en 2020 pour une période de 8 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Un groupement de commandes avait été établi entre la ville et le centre communal d'action sociale. La MAIF, qui avait été retenue comme titulaire du lot 2, dommages aux biens et risques annexes, a informé la ville de son intention de résilier ce lot 2 au 31 décembre 2023. En effet, suite à sa fusion avec un autre assureur, elle ne propose plus de contrat multi aux collectivités territoriales. La ville et le CCAS doivent donc relancer une procédure de consultation pour le lot 2. Il est par conséquent proposé de constituer à nouveau un groupement de commandes entre la ville et le CCAS afin de relancer la procédure de mise en concurrence de ce lot. Il est précisé que la ville sera le coordinateur du groupement de commandes proposé. La commission d'appel d'offres compétente sera celle de la ville. Un projet de convention de groupement de commandes est joint au présent rapport que je vous demande d'approuver. Je vous remercie, M. Thévenot. Demande d'intervention de M. Matussy, groupe de M. Gillard. Compte tenu qu'il n'y a pas de signature engagée, je participerai au vote. Groupe de Monsieur Gilliard Nous approuvons euh, cette résolution, puisqu'il s'agit de mutualiser les achats d'assurance, mais il y a euh, une convention avec signature, donc nous ne, pensons, nous ne prenons pas part au vote. C'est incompréhensible, mais enfin bon, vous restez comme ça dans ces incompréhensions. Formidable. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons, euh, Madame Blachère, concernant le rapport 41 sur l'année 2022 sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières. Merci, Monsieur le maire. Chaque année, en fonction des opportunités qui se présentent et de la stratégie patrimoniale menée par la commune, le conseil municipal décide au nom de la ville d'acquérir ou de céder des biens immobiliers. Le Code général des collectivités territoriales impose qu'un bilan soit présenté avant le vote du compte administratif. Sur l'année 2022, aucune cession n'a été réalisée par la Ville. Elle a acquis deux biens immobiliers pour un montant total d'un million d'euros et elle a bénéficié également de l'acquisition d'un terrain, gratuitement, dans le cadre de l'opération Livet pour y réaliser un parc public. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'état des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l'exercice comptable 2022, mis en annexe du rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Madame Blacher. Elle n'a pas demandé d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix, qui est pour, contre, abstention. Alors donc, euh, qui n'a pas pris part au vote Alors, je recommence. Qui est pour Je vous remercie. Nous poursuivons, Madame Blacher, avec le bilan sur la formation euh, des élus, s'il vous plaît. Euh, le code général des collectivités territoriales prévoit une présentation des actions de formation des élus financées par la commune. Ce bilan fait également partie des annexes du compte administratif. Pour 2022, le montant des formations réalisées représente 180 euros. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le bilan sur la formation des élus réalisés au cours de l'exercice comptable 2022 annexé. Merci beaucoup, Madame Blachier. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je vais donc se rapprocher. Qui est pour Là, Tout le monde est unanime, mais je ne comprends pas, parce que c'est moi qui signe. Donc, il faut une cohérence, quand même, par rapport à tout ça. Donc, je vous remercie. Et nous poursuivons avec euh, l'approbation de la gestion du comptable. Euh, Madame Blachère, si vous voulez bien poursuivre Conformément à l'Organisation des finances publiques qui repose sur la séparation entre l'ordonnateur et le comptable, une comptabilité parallèle est tenue par la trésorerie de Rieux-la-Pape dont dépend la ville de caluire et cuire Cette comptabilité est retracée à travers le compte de gestion. Le compte de gestion réalisé par la trésorière de Rieux-la-Pape présente une exécution 2022 conforme à celle qui est présentée dans le compte administratif 2022 qui, avait, qui va être soumis au vote juste après. Il est demandé au conseil municipal de déclarer que la gestion du comptable n'appelle ni observation ni réserve. Merci, Madame Blachet, mon intervention de M. aussi J'ai enlevé mon intervention. Pardon. Vous retirez l'intervention. Donc je mets donc ce rapport aux voix, qui est pour. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le compte administratif et avant d'examiner le dossier 2023-044. Concernant euh, l'examen du compte administratif, il convient de procéder à l'élection d'un président spécial de séance, conformément à l'article l 2121 14 du Code Général des Collectivités Territoriales. Je vous propose d'élire M. Robert Thébnaud. Donc euh, qui est pour? Je vous remercie. Donc, M. Euh, Thébnaud, je vous cède la, la présidence de séance. Oops. Pour la présentation du compte administratif 2022, je donne la parole à Madame Blacher. Merci, Monsieur Thévenot. Euh, on va commencer par une présentation du compte administratif 2022. Donc, je rappelle que le compte administratif reflète la gestion de la commune. Il constitue un acte majeur de la vie communale. Le compte administratif 2022 est conforme aux orientations du budget voté malgré un contexte compliqué lié à l'inflation. Donc, on va commencer. Je n'ai pas la zapette. C'est parfait. Donc, on va commencer par la section de fonctionnement. Donc, euh, et on va commencer par les recettes réelles de fonctionnement 2022 qui s'élèvent à 51,5 millions d'euros. Donc, parmi lesquels, on retrouve les produits de gestion. Donc, le, le, je rappelle, les, le paiement par les usagers des services proposés par la ville ou redevances payées par l'utilisateur du domaine public à hauteur de 5,2 millions d'euros. Euh, donc euh, on remarque qu'on avait eu un, un budget primitif qui avait été prudent, euh, car incertitude euh, euh, par la poursuite de la crise du Covid. Les recettes de la piscine aussi qui sont en hausse après une année 2021 qui a été marquée par sa fermeture durant six mois. Donc, euh, reste en retrait par rapport à, la, à une année normale. Euh, on peut constater moins 20% par rapport à l'année 2019. Et un retour au, euh, à un niveau normal pour l'ensemble des services, dont l'enfance, la petite enfance, qui représente 43% des produits issus des services et du domaine. Alors, on continue avec les impôts et taxes à hauteur de 40,3 millions d'euros. Donc euh, une, une bonne surprise, en tout cas une surprise euh, sur les droits de mutation qui ont atteint 3,6 millions d'euros. La conjoncture immobilière est restée quand même favorable grâce au territoire attractif de la ville de Caluire-et-Cuire. Cette recette néanmoins est en baisse par rapport à 2021, euh, donc euh, elle est difficile à anticiper, surtout en période d'incertitude économique. Donc c'est une recette qui reste fluctuante. La fiscalité directe locale donc euh, qui représente 34,9 millions d'euros. Pour l'essentiel c'est le produit de la taxe foncière. la ville ne percevant plus bien sûr la taxe d'habitation sur les résidences euh, principales depuis 2021 donc avec une revalorisation forfaitaire des bases euh, qui a été de 3,4%. Les autres recettes de nature fiscale, donc la dotation de solidarité, donc la DSC communautaire qui est versée par la métropole, qui est stable à 900 000 euros, et c'est la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 683 000 euros, et la taxe sur la publicité extérieure pour 133 000 euros. On passe aux dotations et participations pour 5,7 millions d'euros. Ces dotations marquent deux réalités. Un soutien toujours très présent de la caisse d'allocation familiale à travers sa participation financière au fonctionnement des crèches et à leurs projets à hauteur de 2,5 millions d'euros. C'est un partenaire sur qui la ville peut compter et on les remercie. La poursuite de la baisse des dotations d'État avec une DGF qui est, qui est en baisse de 100 un tout petit peu plus de 100 000 euros, et qui vient s'ajouter aux baisses continues qui ont été subies par la ville ces dernières années. Je rappelle qu'on est passé de 4,9 millions d'euros à 2,2 millions d'euros, donc de 2014 à 2022. À cela, on peut ajouter une dotation exceptionnelle qui est liée à un ajustement du coefficient correcteur dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation, une compensation de l'État attendue de longue date dans le cadre de la mise en place de la scolarisation obligatoire des enfants de moins de 3 ans, 219 000 euros pour l'année scolaire, donc 2019-2020, euh, et les fruits de la démarche aussi très, très active sur les participations euh, des participations et subventions auprès des différents partenaires. Donc, on, la, la Ville a encaissé 151 000 euros euh, liés à des projets de fonctionnement et des actions qui ont été menées par la Ville. De, de l'aide au transport aussi, pour les classes de découverte, par exemple, pour la, la région a, a participé et participe d'ailleurs régulièrement à nos classes de découverte, pour nos jeunes, le recrutement d'un conseiller numérique, euh, manager, un manager de commerce et apprenti, l'aide pour l'élaboration euh, du plan éducatif de territoire, le PEDT, donc par l'État, 9,4 000 euros. Euh, oui, c'est ça. Et Agir pour ma santé, par la métropole, euh, 6 000 euros. Donc, euh, en synthèse, après deux années durant lesquelles les recettes de la ville de Caluire ont été marquées fortement par la crise du Covid, l'année 2022 revient à un niveau de recettes normal pour la ville. Le produit de la fiscalité directe est en hausse sous l'effet de la progression des bases fiscales qui a été plus importante qu'habituellement en lien avec la reprise de l'inflation. On note parallèlement une baisse du montant des droits de mutation pour la première fois depuis plusieurs années hors année 2020 malgré la dynamique et l'attractivité du territoire qui demeure réelle. À noter que les recettes réelles de fonctionnement par habitant sont inférieures à la moyenne de la strate. Ces recettes ont permis à la ville de poursuivre ses projets et ses missions en faveur de son territoire et bien sûr de ses habitants. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles s'élèvent à 44,2 millions d'euros. Donc on est à un, à un pourcentage en fait du budget primitif euh, qui montre une très très bonne prévision budgétaire malgré le contexte qui est très incertain. Elles comprennent bien sûr, d'ailleurs je, je noterai que sur l'année on n'a fait qu'une seule euh, décision modificative, euh, notamment liée aux ressources humaines. Les charges à caractère général, donc elles représentent 9 millions d'euros. C'est donc l'ensemble des achats de, de la ville qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics. Le poste est fortement impacté par la reprise de l'inflation et par la hausse du coût des énergies. Donc les, je rappelle, énergie plus 17%, mais hausse. Cette hausse a été limitée grâce à l'action du SIGERLI. Donc c'est vrai qu'on se félicite d'adhérer au SIGERLI aujourd'hui puisque ça nous a permis de limiter cette hausse et aussi les mesures qui ont été prises par l'État pour baisser la, la taxe sur l'électricité. Du point de vue de l'alimentaire, plus 9% au global, mais avec des hausses très, très importantes sur certains produits, une variation très, très grande, et certaines prestations de services aussi, et qui ont augmenté, bien sûr, liées aux hausses du SMIC. Les projets qui ont été mis en œuvre ou engagés, par exemple, on peut citer le contrat de construction durable, la démarche Label Territoire engagé Transition écologique de l'ADEME, mise en place d'une permanence de la mairie au sein du quartier de Saint-Clair, l'accompagnement au numérique, la reprise du repas de l'amitié. Donc quand même beaucoup d'actions qui, qui ont continué pendant l'année 2022. La ville a toujours eu une gestion attentive de ses dépenses de gestion, bien sûr, et continue à le faire pour ajuster au mieux selon les besoins. On va passer aux frais de personnel. Les frais de personnel, bien sûr, représentent 26,5 millions d'euros, donc 99,1% du... Euh, budget primitif soit une excellente exécution budgétaire malgré un contexte très compliqué dans l'année 2022. donc je rappelle une évolution de 4.7% sur l'année précédente et c'est essentiellement liée au contexte de l'inflation avec une revalorisation du smic à trois reprises avec des conséquences sur les grilles de rémunération des agents de catégorie c et de catégorie b, une revalorisation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires de 3.5 en juillet 2022. Avec un impact sur la totalité des agents et quelques conséquences aussi en début d'année, encore liées à la crise du Covid, avec des absences et des renforts qui ont été nécessaires pour assurer les services de la ville. Une gestion des RH qui est néanmoins restée très fine et très attentive aux agents pour maintenir un service de qualité au Caluire. Je remercie bien sûr, j'en profite, les services de, de cette gestion très précise et très fine on passe au reversement divers donc euh, par application des différents dispositifs légaux la ville a été amenée donc à reverser à la métropole ou à l'état donc en tout 3,4 millions d'euros comme c'est prévu d'ailleurs dans le cadre du BP donc je rappelle l'attribution de compensation qui est le principal reversement en faveur de la métropole 2,3 millions d'euros et puis toujours, à la métropole, le reversement dans le cadre de l'application du forfait post-stationnement pour un peu plus de 400 000 euros. Ce, ce, ce poste varie, bien sûr, en fonction des recettes qui sont perçues. Le reversement à l'état du fonds de péréquation intercommunale et communale, logiquement appelé le FPIC, pour près de 500 000 euros, plus 50 000 euros par rapport à, à 2021. Et le reversement à l'État, bien sûr, du prélèvement au titre de la loi SRU pour 203 000 euros en 2022, euh, qui varie lui aussi en fonction notamment des subventions versées dans le cadre de la construction de logements sociaux chaque année et du nombre de logements sociaux sur la commune. On passe aux contributions et subventions. Donc, à hauteur de 3,1 millions... Euh, d'euros qui sont versés. Donc comme chaque année, la ville a apporté son soutien aux associations locales, 1,5 million d'euros et au CCAS de la ville pour 900 000 euros, près de donc de 2,4 millions d'euros. En 2022, il y a une subvention, je rappelle qu'on a versé une subvention exceptionnelle de 44 000 euros dans le, à la Croix-Rouge française dans le cadre de aide, notre aide pour l'Ukraine, bien sûr, puisque Kaliya est une ville solidaire. La ville intervient aussi également auprès des associations pour la mise à disposition de locaux, le prêt de matériel ou le soutien logistique et technique pour certaines manifestations ou événements divers. La ville verse aussi une participation financière aux écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, conformément au cadre législatif. Les autres dépenses, euh, à hauteur de 1,2 million d'euros, dans les autres dépenses, on va retrouver notamment la participation versée ben, dans le cadre de la concession euh, du Radian, euh, qui est un équipement qui a été rappelé tout à l'heure, très important pour la politique culturelle de la ville, mais plus largement du territoire. Je vais passer aux frais financiers. Donc, euh, les frais financiers qui sont payés par la ville représentent un peu moins de 1 million d'euros, soit seulement 2,3% des dépenses. En 2022, ils ont continué à baisser légèrement malgré la remontée rapide des taux. Les principales échéances des prêts ayant eu lieu avant la hausse des taux et la part des taux fixes étant largement euh, majoritaire dans nos emprunts. Donc, en synthèse, les dépenses de fonctionnement ont été conformes aux prévisions budgétaires qui avaient été réalisées avec discernement. La bonne tenue du budget se fait également grâce à une gestion agile et des choix pertinents qui permettent à la Ville, malgré le contexte de tension sur les prix, de poursuivre la mise en œuvre du plan de mandat avec des projets et des missions qui avancent. Donc, euh, on peut voir que l'épargne brute euh, dégagée dans le compte administratif 2022, donc je rappelle, solde entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement hors mouvement exceptionnel, s'élève à 7,4 millions d'euros, soit un, taux de 4, un très bon taux d'épargne de 14,4%. Donc le, je rappelle que le niveau dans la bonne moyenne des communes de la Strat est, est inférieur au, au taux de, de Caluire. Et aussi et surtout, c'est un niveau qui permet à la ville d'investir dans de bonnes conditions financières et de mener à bien les projets du mandat. On a donc une garantie d'une bonne capacité d'investissement. Euh, le budget primitif 2022 prévoyait d'ailleurs un niveau d'investissement important et la majorité des projets prévus a été lancée. C'est ainsi que nous, nous avons 8 millions d'investissements qui ont été réalisés sur le territoire, auquel il faut rajouter donc 4,4 millions d'investissements reportés et de crédits de paiement qui sont réinscrits sur 2023, donc euh, euh, avec des décalages sur certains. Euh, Postes comme les véhicules, par exemple, ou l'éclairage public en fonction les travaux du Square du Vernet. Je peux citer aussi la tra la, les travaux pour la maternelle Bertie Albrecht. Donc, le taux de réalisation globale euh, cumulé 76%. Passons maintenant à la section d'investissement. Comme chaque année, la ville investit pour assurer le bon fonctionnement de ses services et répondre au mieux aux besoins de la population, notamment dans le domaine du numérique et des systèmes d'information avec des outils logiciels et matériels performants. On peut noter notamment cette année le changement du logiciel de la restauration scolaire en lien avec la nouvelle cuisine centrale à venir et le développement de la plateforme de relations avec l'usager tout de go aussi pour la sécurité informatique. Dans le cadre de la gestion de sa flotte de véhicules pour l'adapter aux nouvelles normes environnementales, bien sûr, mais aussi en réalisant les travaux nécessaires sur certains bâtiments euh, ou lieux, comme le cimetière. Je pourrais noter euh, citer le cimetière, par exemple. Et puis des acquisitions foncières dans le cadre d'opportunités, on, on en a parlé déjà tout à l'heure, avec le 30 rue Dufresne donc, euh, et le 62 rue Jean-Moulin donc l'un pour euh, qui est derrière l'école édouard herriot euh, je ne sais pas si vous le saviez et l'autre qui est pour notre maison de l'écologie positive monsieur Tollé. la ville a également euh, investi beaucoup dans le domaine de la sécurité avec euh, son centre de supervision urbain et parallèlement, elle investit chaque année dans le renouvellement de caméras de vidéoprotection. Le, les systèmes de vidéoprotection s'améliorent, on va dire, d'année en année. Et on, les nouvelles technologies permettent, permettent à à, d'améliorer encore plus notre sécurité avec des, des, des outils très, très performants. En 2022, on a installé des caméras aux abords des écoles, et ceci grâce à des subventions euh, données par, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des investissements aussi importants dans le domaine scolaire, 29% des dépenses d'équipement, très important. Euh, on a payé la fin des travaux de l'élémentaire Montsuy et puis des du changement de mobilier, bien sûr, pour les écoles et pour les restaurants. On a démarré les travaux à la maternelle Bertie Albrecht on a expérimenté aussi des classes mobiles euh, donc euh, pour euh, permettre euh, aux professeurs des écoles euh, de mettre à disposition du matériel euh euh, on va dire, euh, permettant de se déplacer euh, à leur souhait, mais surtout, c'est eux qui ont choisi et qui testent les, différents, euh, les différentes possibilités qui peuvent leur être mises à disposition euh, pour permettre bien, en, encore mieux une adhésion entre le matériel fourni et euh, la, la façon d'enseigner de, de, à, nos, à nos enfants. Et puis la cuisine centrale, euh, avec les indemnités du concours, plus les études diagnostiques en vue, bien sûr, des prochains travaux. Alors, dans le domaine du logement, la ville répond, bien sûr, aux sollicitations des bailleurs sociaux en subventionnant les opérations qui sont réalisées sur le territoire. Donc, et on investit également dans le domaine du sport, avec la fin du paiement des travaux des terrains de foot de la Terre des Lièves, bien sûr, les vestiaires qui ont été refaits, l'aménagement du stade ferré pour le parcours vélo, les, la, les travaux euh, sur euh, le stade Henri Cochet et les travaux à la piscine municipale qui sont nécessaires pour maintenir à niveau cet équipement qui est très, très apprécié de nos usagers. Dans le domaine de la famille aussi, les crèches, avec divers travaux dans les équipements, dont par exemple dans les crèches Bill Bokeh et, et la crèche Grenadine. Dans le domaine de la culture aussi, lancement des travaux de modernisation, je rappelle, de la médiathèque qui a été inaugurée ce week-end. Et je pense que c'était un grand succès. Les gens attendaient avec impatience. La ville, toujours soucieuse aussi du cadre de vie de ses habitants, a réalisé en 2022 un certain nombre d'investissements dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement. Donc on peut noter le renouvellement d'éclairage public pour du passage en LED, bien sûr le renouvellement de véhicules utilitaires, euh, espaces verts euh, pour qui passe en véhicule GNV notamment, et l'achat de matériels divers comme des broyeurs, des, des rampoteuses pour continuer à, à, à fleurir notre ville. La création du Jardin de la Paix le long de la Voie Verte, l'étude pour le skate park, le Jardin partagé de Montsuit, et puis euh, d'autres travaux sur la voirie et puis dans, dans, nos, dans nos autres parcs, bien sûr. Dans le domaine de l'action économique. De manière générale, la, la ville reste toujours à l'écoute en fait, des mutations de son territoire et susceptible de, de préempter des fonds de commerce quand cela est nécessaire. En 2022, un fonds de commerce dans le bourg euh, a été euh, les douceurs de Louva, donc euh, c'est l'accueil d'une nouvelle activité euh, dans ce quartier. Section d'investissement. Donc pour bien sûr assurer le financement de ces investissements la ville a pu compter sur un autofinancement important comme nous l'avons vu avec le niveau de l'épargne brute donc un autofinancement important euh, associé à une recherche de, de subventions très active euh, pour, euh, pour venir euh, valider tout cela parallèlement euh, on, on ajoute aussi les autres recettes puisqu'ils sont plus classiques d'investissement, comme le FCTVA. Et donc l'excédent 2021 qui avait été infecté intégralement à l'investissement, euh, comme on le fait euh, depuis quelques années. Donc un recours à l'emprunt, bien sûr, qui est toujours ajusté au plus réel, donc 3 millions d'euros sur, le, sur les 10 millions qui avaient été ouverts. En fait, on ajuste toujours l'emprunt à la réalité du projet à son, et à son avancement au moment où on en a besoin. Et pour finir, un, un mot sur l'encours de dette à fin 2022, 41,8 millions d'euros, donc une dette toujours aussi saine, 100%... À 1 donc euh, selon la charte de Gisler une dette qui est proportionnelle à la capacité financière de la ville on a une capacité de désendettement de 5,7 euh, années qui est quand même un, un, un très bon euh, niveau euh, très 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 en, en deçà de la limite communément admise euh, qui est plutôt autour de 15 ans donc, à travers ce compte administratif, on voit bien que la ville a une situation financière qui lui permet de mener à bien les projets de ce mandat. Elle a une gestion saine, prudente et maîtrisée qui est indispensable dans le contexte d'incertitude que, con que nous connaissons. Et je réitère euh, toutes mes félicitations euh, au service pour euh, avoir préparé euh, ce compte administratif euh, dans les délais avec toujours autant de rigueur et euh, de professionnalisme. Merci, Madame Blacher. Il y a des demandes d'intervention de Monsieur Gilliard et de Monsieur Matteucci pour Monsieur Vous avez la parole, Monsieur Trottin. Merci, Madame Blacher, ch chers collègues. Nous nous associons euh, bien évidemment au remerciement que vous avez apporté aux services pour leur travail, euh, pour tous les documents euh, budgétaires qui nous sont présentés ce soir. Euh, nous avons donc constaté dans ce compte administratif 2022 sur la section de fonctionnement d'abord des taux de réalisation proches des valeurs de 2021 avec 96,3% pour les dépenses et 103,2% pour les recettes, ce qui montre la prudence de la gestion de la ville et sa maîtrise malgré le contexte inflationniste. Et également des recettes fiscales de 40,5 millions permettant à la ville d'investir. Le recours à l'emprunt étant facilité par la légère baisse de la capacité de désendettement à 5,7 ans, comme vous l'avez précisé, madame Blacher. Cela étant, une nouvelle fois, nous regrettons que la politique de la ville pour le développement du parc de logements sociaux, en dépit d'un rattrapage en cours, ait conduit pour 2022 à une pénalisation de 203 000 euros au titre de la loi solidarité et renouvellement urbain. Alors pour les dépenses d'équipement, les taux de réalisation sont en baisse par rapport à l'année dernière. Euh, le taux de réalisation de 50% par rapport au budget de 76% en prenant en compte le report des dépenses engagées sur 2022 et le volume des crédits de paiement engagés. Mais ce serait peut-être plus d'explications de votre part. Euh, en précisant un petit peu, vous citez le report d'acquisition de l'ex-collège Lassagne. Euh, est-ce qu'il est possible de nous dire quelle est sa part de responsabilité dans la faiblesse de ce taux de réalisation? voilà, nous réservons le vote dans l'attente des échanges que nous pourrons avoir. merci. monsieur matteucci. merci. merci, madame blacher, pour cette présentation de ce compte administratif. et bien entendu, merci aussi à l'ensemble des services pour la gestion quotidienne de la partie financière de notre collectivité. Euh, la, chaque année en fait la question du, du compte administratif c'est euh, finalement une, une fumée qui se lève par rapport en fait à un budget euh, primitif puisque on, on envisage une, une année et puis finalement il y a une réalisation euh, qui s'opère avec des variantes et quoi qu'il en soit cette gestion reste de l'ordre finalement un petit peu de la cuisine, l'ajustement avec des dosages euh, qui permettent à, à la fois de couvrir l'ensemble des dépenses et également d'aller chercher euh, des recettes euh, ce qui serait quand même intéressant, euh, c'est que chaque année, on puisse euh, peut-être avoir dans le budget euh, primitif un petit astérix qui, pré qui précise systématiquement que c'est, euh, euh, par mesure de précaution, bien entendu, le bas de la fourchette pour les, pour les recettes et le haut de la fourchette pour les dépenses, ce qui fait que, comme ça, vu les résultats en fin d'année, on, on aura systématiquement un excédent et on le saura. Et, et, et sans doute la, la nouvelle nomenclature nous permettra d'avoir une lecture un petit peu plus, un peu plus précise. Donc, cette année n'échappe pas à la règle, hein, puisque nous générons un, un, un excédent euh, conséquent qui euh, nous permet d'avoir une capacité d'autofinancement, notamment. Euh, lors de, du débat budgétaire de cette année, mais comme l'année dernière, euh, à chaque fois, euh, euh, j'étais aussi euh, revenu sur euh, la dynamique euh, des taxes et euh, vous, m vous appeliez systématiquement à avoir une certaine prudence par rapport au. Au, euh, au droit de mutation alors oui ils baissent mais il restent quand même relativement actifs et dynamiques dans le cadre de, de l'ensemble de, de nos taxes des taxes euh, foncières qui euh, qui évoluent hein, puisque euh, en 2022 elles évoluent et elles sont même supérieures à notre prévision alors là j'avoue que je pensais qu'on pouvait avoir éventuellement la prévision sur l'année de la taxe foncière mais apparemment non bon l'évolution est, est de 10% mais voilà, ça permet quand même d'avoir euh, ces lectures-là, mais peut-être n'est-il pas possible d'avoir une projection euh, sur l'année euh, à venir. Mais euh, l'ensemble euh, de ces dynamiques foncières et l'habitation atteint quand même les 34, euh, les 34 millions, ce qui est, ce qui est relativement euh, important. Euh, pour ce qui concerne donc aussi euh, la question autour du, du fonctionnement et par rapport à ces prévisions, comme euh, l'a dit euh, M. Euh, pardon, Monsieur Trottignon. Et vis-à-vis -vis des mesures de précaution, eh bien, on voit que la, la partie au niveau du personnel a été relativement anticipée, puisqu'il y avait une surévaluation en fait, de la rémunération principale des titulaires qui a été absorbée par l'ensemble des, des autres évolutions. Donc voilà, c'est une mesure de précaution. Euh, voilà, mais la surévaluation était quand même de 581 000 euros, ce qui, ce qui était quand même conséquente. Mais bon, ça permet de pouvoir réaliser le budget et de pouvoir assurer l'ensemble des traitements et revalorisation de l'ensemble de, de nos personnels. Euh, J'avais quand même toutefois deux, deux questions. Euh, J'ai relevé, alors il y a sans doute une raison et je, en fait une évolution, euh, notamment sur la partie euh, des publications, puisqu'en en fait on a eu une dépense supplémentaire avec des rattachements plus de plus de 28 000 euros par rapport au budget. Alors est-ce que c'est simplement euh, le coût du papier De la même façon pour euh, la partie euh, euh, publicité, publication, relations publiques où il y en a pour plus euh, 4, 000, euh, 4 500. Donc, ça fait 30, 32 000 euros. Voilà, juste pour avoir une explication. Et j'ai quand même une interrogation, et peut-être euh, vous pourrez me répondre, euh, et sans, euh, sans, sans préjuger ou, ou jeter le problème, mais euh, juste comment se fait-il qu'on puisse passer en 2021 de, de frais de mission, euh, maire adjoint et conseiller de 2 300 euros à 7 000 euros pour l'année euh, euh, 2022, ce qui fait quand même un delta euh, de près de 5 000 euros. Donc, il y a sans doute une raison, mais si c'était possible d'en connaître les raisons, ça serait quand même intéressant. Enfin, voilà, je, je, je trouve ça assez euh, surprenant et ça mérite quand même une, une explication. Euh, Monsieur Trottignon en a parlé, et, et voilà, on le déplore depuis des années, malgré les efforts qui sont faits par notre collectivité. On est quand même obligé de s'acquitter d'une amende de plus de 200 000 euros et en 2023, cette amende s'annonce euh, apparemment euh, peut-être supérieure. Euh, concernant les investissements, vous annonciez un budget d'investissement de près de 25 millions, un budget d'investissement qui était composé à la fois euh, de, 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 de dépenses réelles à hauteur de, de un peu plus de 20 millions. Au final, qu'en est-il? Une dépense. De 11, 600, de 11 650 000 euros pour une dépense d'équipement, enfin une dépense nette pour une dépense d'équipement de seulement, simplement 7, euh, enfin 7 millions d'euros pour aller, pour aller plus vite avec des reports d'exécution sur 2023. Donc finalement, vous annoncez un 76% de taux de réalisation, mais finalement, ça ne ferait que 58%. Donc on est un petit peu loin du projet ambitieux, mais je reconnais que les choses ne sont pas, ne sont pas aisées par rapport au moment où nous avons voté le budget. En matière d'investissement. Euh, et d'autant que la non réalisation de ces investissements peut aussi s'expliquer par la partie de notre dette qui, bien qu'en restant stable, reste relativement élevée et qui constitue dans notre structure financière une part conséquente des, dép des dépenses réelles d'investissement, de, de, euh, puisqu'elles elles peuvent représenter jusqu'à 30%. Pour conclure, la vision de cette année de budgétaire, je retiens que les annonces qui ont été médiatisées d'investissements exemplaires non une nouvelle fois, pas été entièrement respectée. De nouveau, l'excellent fonctionnement pose la question de la redistribution auprès de nos concitoyens dans le cadre d'une politique publique locale et solidaire. Et ce compte, euh, et ce compte administratif, euh, du fait de, de ces quest des questions auxquelles vous allez répondre et puis euh, euh, des, des questions qui posent, ne semble pas s'inscrire dans une trajectoire budgétaire à laquelle finalement je, je pourrais me retrouver. Euh, Puisqu'elle pourrait euh, s'appuyer sur un, un enjeu de spéculation au détriment d'un intérêt commun. Merci. Merci, M. Matteucci. Je vais passer la parole à Mme Blacher, qui va répondre à ces deux interventions. Mais auparavant, M. Matteucci, je voudrais euh, tout de suite euh, répondre à l'une de vos remarques c'est qu'en l'augmentation des frais mission 2022 par rapport à 2021, c'est qu'en 2022, il n'y a plus de restrictions du haut-Covid, alors qu'en 2021, il y en avait, et que nécessairement, on a, les services ont repris une activité plus normale. Juste, je me, je me permets, ma question, elle ne portait pas sur ça, elle portait sur l'augmentation, elle portait sur l'indemnité des maires adjoints et conseillers. Mission, hein. Mission ah, des maires adjoints et conseillers. Chose. Ah ben, indemnité des maires... Non, euh, non. frais de mission, excusez-moi, frais de mission des maires, adjoints et conseillers. Oui, ben c'est vrai, vrai là, 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 ma réponse était justifiée. Merci, M. Thévenot. Euh, donc, bah, M. Thévenot vous a répondu pour cette partie-là. Alors, je vais répondre euh, sur euh, la question de M. Trottignon, donc 1,8 million. Donc, si on rajoute 1,8 million, on est à 90 donc, euh, donc ce, qui, ce qui donne un résultat euh, euh, très cohérent. Euh, en ce qui concerne le foncier, oui, ça bouge, euh, monsieur Matteucci, mais ça bouge parce qu'en fait, les bases, c'est assez difficile de savoir quelle va être l'évolution des bases. Donc, euh, donc ça donne euh, une, une petite, euh, on va dire, des, des éléments qui ne sont pas toujours très faciles à évaluer, mais on essaye de le faire au plus juste. Euh, question sur la publication ben, c'est vraiment euh, complètement lié au coût du papier euh, qui a été euh, réellement important donc les frais de représentation on en a parlé et quant au euh, vous avez parlé du repos Peut-être Non, vous avez parlé du, du décalage par rapport à ce qui a été fait, mais c'est effectivement, il y a pas mal de reports d'exécution, mais c'est lié à, à, à beaucoup de, de choses assez aléatoires, notamment en termes de livraison. Donc, ce n'est pas dû à, à la volonté de la ville de ne pas investir, mais plus lié aussi aux partenaires qu'on a dans ce cas-là. Est-ce que maintenant, on euh, va comme réponse Mettre le compte. Euh administratif aux voix. Et qui ne prend pas part au vote Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Donc, le compte administratif est adopté à l'unanimité. Ah oui. Les quatre exemplaires du compte administratif vont circuler. Il vous est demandé sur chaque exemplaire de cocher le sens de votre vote et de signer. Les élus ayant procuration signent leur nom dans la case réservée à leur mandant. Merci. Merci beaucoup, Robert. Bien donc, merci Robert pour cette présidence et merci pour ce résultat. Je tiens en tout cas au nom du conseil municipal à remercier bien sûr l'ensemble des services de la ville de Caluire-et-Cuire qui travaillent au quotidien pour le bien-être des Caluira. Et surtout quand on a un compte administratif de cette qualité, on peut que se réjouir et sur, la main, sur, la, sur le fait que la commune de cuire maîtrise malgré les aléas et comme ça a été indiqué en plusieurs fois. Et euh, Madame l'adjointe, Madame Blachère, vous avez donc précisé qu'il n'y avait eu qu'une seule décision modificative, alors que vu la variété des problématiques qui se posaient, nous aurions pu en avoir deux voire trois. Euh, C'est ce qui veut dire que la maîtrise est vraiment totale. Donc euh, félicitations et je me réjouis bien sûr pour ce vote positif. Nous allons maintenant passer à l'affectation du résultat et je cède la parole à madame Blachère. Merci monsieur le maire. Ce rapport présente donc les résultats de l'exercice 2022, leur affectation au budget primitif 2023, à la clôture du compte administratif. Donc on constate un excédent de fonctionnement de 6 millions 098 136,30 et un déficit d'investissement de 2 millions 488 746. ,97. Il est proposé que l'excédent de fonctionnement soit affecté intégralement à la section d'investissement pour couvrir en priorité le déficit d'investissement et les reports issus de l'exercice 2022. Il est demandé au Conseil municipal d'affecter le résultat global de l'exercice 2022 qui ressort du contrat administratif 2022 au budget primitif 2023 comme indiqué dans le rapport. Je vous remercie. Demande d'intervention de, de M. Mathieu. -Sy. Non, je n'interviendrai pas. Intervention retirée. Je mets donc ce rapport aux voix, qui est pour. Je vous remercie. Contre, pardon. Abstention. Je vous remercie. Poursuivez, Madame Blacher, concernant les autorisations de programme 2017-2026 sur la révision et création. Merci, Monsieur le Maire. Comme chaque année, au regard d'une part de la réalisation des crédits de paiement sur l'exercice précédent et d'autre part des opportunités d'investissement qui se sont affinées au cours de l'année, les autorisations de programme doivent être révisées dans leur phasage et le cas échéant dans leur montant. Et puis cette année, il est proposé la création d'une nouvelle AP nommée Transition écologie positive. Cette AP intègre différents investissements programmés par la ville en faveur des enjeux de transition énergétique, de maintien de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique, autres que les investissements réalisés sur le patrimoine. On y retrouve notamment la création de la ferme urbaine, euh, merci Monsieur Bastin-Jouin, euh, les travaux de raccordement au RCU ou encore la création d'une maison municipale de l'écologie positive. Pour rappel, les travaux de réhabilitation du patrimoine de la ville étant réalisés avec une approche globale des enjeux des bâtiments, accessibilité, amélioration thermique, bien sûr, l'AP Amélioration de la performance des bâtiments a été fusionnée avec l'AP Amélioration de la performance du patrimoine. Au global, le montant des autorisations de programme de 2017 à 2026 est porté à 85,9 millions d'euros, dont 60,9 millions pour la période de 2023 à 2026. Il est demandé au Conseil municipal de voter les autorisations de programme et de leur échéancier de crédit de paiement révisé sur la période de 2017 à 2026, conformément au tableau qui est annexé, et de créer une nouvelle autorisation de programme Transition écologie positive. Je vous remercie. Merci Madame Blachère. Il y a deux demandes d'intervention. Monsieur Matossi. Je vous remercie Madame Blachère pour cette présentation, pour ces autorisations de programmes dans lesquelles nous intégrons de, de nouvelles dimensions à, à hauteur de, de, de 22 millions. Ben, nous ne pouvons qu'espérer que ces, ces programmes pourront être réalisés d'ici 2026 puisque c'est la date échéance. Euh, voilà, je, je m'arrêterai là et on verra. Groupe de Monsieur c'est Monsieur Trotin, on joue un peu. Oui, merci, Monsieur Cochet. Euh, donc nous sommes satisfaits de voir que le volume des investissements de la programmation pluriannuelle reste important, avec une stabilisation à plus de trois fois la moyenne des précédents mandats. Juste retour des choses, après de longues années sans hausse de la fiscalité locale, qui conduisirent à un sous investissement et à un contexte financier dégradé. C'est bien ce qu'a relevé la Chambre régionale des comptes dans son rapport d'observation définitive de juin 2021 sur la commune de Caluire-et-Cuire. Je cite La situation financière de la commune se caractérisait en 2019 par une capacité de désendettement dégradée et un autofinancement insuffisant. Cette situation s'explique principalement par le choix d'une fiscalité avec des taux modérés. Malgré des efforts pour contenir les charges de fonctionnement, la Commune a dégagé jusqu'en 2019 une épargne trop faible pour rembourser sa dette et financer ses investissements, même limités. Je ferme les guillemets. La liste ensemble, naturellement, de la majorité élue en mars 2020 a eu pour thème de campagne la fiscalité inchangée durant 17 ans. Et le 3 juillet 2020, le taux de la taxe foncière sur le foncier bâti était augmenté de 6,5 points. L'augmentation des recettes en résultant permettant, à nouveau, selon la Chambre régionale des comptes, d'aller au-delà des pertes dues à la crise sanitaire en faisant croître l'autofinancement. Nous prenons acte de ce tournant de juillet 2020 favorable à l'autofinancement et aux équipements de la commune, mais nous regrettons cette prise de conscience tardive qui a conduit à reporter des investissements d'avenir, en particulier ceux qui concernent la transition écologique. Nous prenons bonne note de la nouvelle autorisation de programme Transition écologie positive et de son contenu. Et de la renom... renomination pardon, la première ligne du tableau annexé au rapport Amélioration de la performance du patrimoine, qui constitue le poste le plus important avec plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais sans les détails dans ce rapport des projets, des bâtiments et de la planification, nous ne connaissons pas encore l'ensemble des bâtiments qui seront rénovés thermiquement d'ici fin 2026, en dehors de Berthier-Albrecht, du Collège Lassagne, de Pierre et Marie Curie, de la cuisine centrale, ni ne savons dans quelle mesure cela correspondra, correspondrait à l'urgence climatique. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous voulez euh, évoquer et répondre ou pas, je, pas je, je vais juste dire que chaque fois que la commune entreprend quelque chose, elle l'entreprend dans un souci de, de, de transition écologique et réfléchit à tous les investissements qui sont faits. Je pense que c'est la réponse à la question, en tout cas s'il y avait une question. C'est vrai que la moitié de l'investissement correspond à une amélioration en particulier autour de la transition écologique, mais nous n'avons pas attendu... Euh, depuis des années. Et si pendant plus de 20 ans, on n'a pas bougé la fiscalité, c'est au grand bénéfice des Calus rares. Et ils nous en ont d'ailleurs largement remercié. Euh, la période Covid a entraîné des dépenses supplémentaires qui, bien évidemment, ont entraîné euh, cette décision. Et cette décision euh, ben, renforce et, et permet d'avoir, quand on, on évoque notamment le propos liminaire que j'ai eu, quand on regarde la liste à la prévère de tout ce que nous allons réaliser en particulier, on peut être très fier, bien sûr, nous allons tenir nos engagements, mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on va faire mieux encore que les engagements que nous avons, pour lesquels nous sommes, euh, euh, nous sommes présentés devant les calurars. Et les calurars, d'ailleurs, euh, le voient tous les jours et ils nous en remercient. Je mets donc ce rapport aux voix et qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Vous poursuivez, madame Blachère, concernant l'augmentation des tarifs des services publics communaux n'ayant pas un caractère fiscal. Merci, monsieur le maire. Par délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire la possibilité de fixer par arrêté l'ensemble des tarifs à caractère non fiscal appliqués par la commune au titre des services rendus et de l'utilisation de son domaine public et ce dans les limites déterminées par le conseil municipal. Compte tenu de l'inflation réelle constatée sur l'année 2022 qui se poursuit sur l'année 2023 et qui touche l'ensemble des postes de dépenses nécessaires au fonctionnement des services publics municipaux, il est proposé de faire évoluer les tarifs à hauteur de la moitié de l'inflation, soit 3%. Il est demandé au Conseil municipal de retenir un coefficient de variation appliqué au tarif 2022 pour déterminer les tarifs 2023 de 1,03. Compte tenu des arrondis éventuels, ce coefficient pourrait varier de 1 à 1,06 et de décider d'une application de cette évolution au 1er mai 2023, excepté pour les services périscolaires et extrascolaires et la ludothèque, où il se fera au 1er septembre 2023. Je vous remercie. Merci Madame Blachet de mon intervention, de Monsieur Trotignon, et Monsieur Matussy. Merci de me donner la parole. Dans ce rapport, il est donc proposé pour 2023 une augmentation des tarifs des services publics communaux à hauteur de la moitié du taux d'inflation de 2022, ce qui représente un effort significatif de la ville. Cela étant, les 6% du taux d'inflation officiel de 2022 ne sont qu'une moyenne et la revalorisation de 3% proposée... Dans le rapport s'appliquera toute catégorie sociale confondue. Chaque individu, chaque ménage a son propre taux d'inflation en fonction de ses postes de dépenses et de la répartition de ses différents postes. La perte de pouvoir d'achat due à l'inflation est donc bien plus élevée pour celles et ceux à faibles ressources qui consacrent la majeure partie de leurs revenus aux dépenses alimentaires et énergétiques. On a eu une information récente comme quoi le taux d'inflation sur un an, mesuré au mois de mars dernier, était de 15% sur les produits alimentaires. Lors du Conseil municipal du 3 juillet 2020, les modalités de calcul de la tarification de la restauration scolaire et de l'accueil des écoles du matin ont été modifiées de façon à la rendre plus progressive, sans effet de seuil, dans la limite d'un tarif minimum qui est aujourd'hui pour la cantine de 1,93 euros et d'un tarif maximum de 5,28 euros. Pour information, à Lyon, les tarifs minimaux et maximaux sont de 80 centimes et de 7,30 euros. Comme nous l'avions déjà envisagé à l'occasion des conseils des 3 juillet 2020 et 13 décembre 2021, le groupe Urgence écologique et solidarité à Caluire et Cuire propose, pour les parents en situation de pauvreté, un tarif solidaire d'un maximum de 1 euro et pour ceux qui sont en situation d'extrême pauvreté, un tarif 0 euro. Comme vous l'avez indiqué, Madame Lachère, la ville peut compter sur une situation financière saine. Et la mesure d'un tarif à 1 ou 0 euros pourrait s'appuyer sur un relèvement du tarif maximum de la cantine. Simple solidarité dans un contexte de creusement des inégalités de revenus entre les plus favorisés et les plus modestes, dû en bonne partie aux mesures sociales et fiscales du dernier mandat 2017-2022, comme nous l'avons évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Lorsque nous vous avons proposé un tarif solidaire jusqu'à 0 euros, vous nous avez répondu qu'aucun enfant n'était refusé à la cantine pour raisons financières et que les demandes au cas par cas au CCAS étaient accueillies favorablement. Mais notre demande porte sur l'automaticité de la mesure dans un souci de justice sociale et de respect de la dignité des personnes. En effet, une mère ou un père de famille ne devrait pas, avec des conditions de vie déjà difficiles, avoir à quémander des repas gratuits. C'est une démarche souvent mal vécue car elle renvoie à une incapacité de subvenir aux besoins essentiels de ses enfants. Vous nous expliquiez l'année dernière, Madame Webank, que les demandes au cas par cas vous permettaient de mieux connaître et de mieux accompagner les enfants. Mais quid des parents en situation de grande précarité, et c'est souvent le cas des familles monoparentales, parents qui n'inscrivent même pas leurs enfants à la cantine au regard des tarifs affichés Je vous remercie. Je vous remercie, M. Matossi. Merci. Donc, dans la continuité des propos de, de M. Euh, Trottignon, il me semble que cette augmentation des, des tarifs n'est pas nécessairement une, une priorité euh, pour, pour notre ville au vu des excédents que nous réalisons, des subventions complémentaires que nous pouvons accorder euh, à des concessionnaires. Euh, dans le budget euh, primitif 2023, euh, ces, ces, ces tarifs... Euh, comme une haute caractère non fiscaux, on présenterait une évolution d'un peu moins de 100 000 euros. Donc voilà, il me semble quand même qu'au vu de la situation, et vous l'avez dit par rapport à la question de l'inflation, de la fragilité qui touche les différents caluérards et rare dans, dans leur quotidien, il me semble que nous ne devrions pas euh, accepter cette augmentation. C'est pour laquelle, en fait, je, je nous invite, chers collègues, à ne pas euh, retenir euh, l'évolution de tarifs communaux au caractère fiscal qui est proposé et de voter contre euh, afin que nos concitoyens euh, puissent euh, bah, continuer à avoir accès à l'ensemble des services publics que nous proposons au niveau de notre commune et qui sont des services euh, publics reconnus avec euh, de la qualité et euh, éviter euh, de peser trop sur leur, sur leur budget. Merci. Je, je vous remercie. Je vais peut-être juste un petit peu contextualiser les choses. Aujourd'hui, euh, au niveau notamment euh, de l'augmentation du panier alimentaire, nous avons subi une hausse de 14,5%. Comme l'indiquait M. Trottignon, d'ici juin, il est prévu une augmentation complémentaire de 15%. L'augmentation euh, qui est demandée euh, sur le tarif plancher, euh, il est de 6 centimes. Sur le tarif plafond, il est de 16 centimes. Donc eu égard à l'absorption d'une part non négligeable euh, donc de l'inflation et euh, du fait que la commune prend en charge une part importante de ces surcoûts, il nous apparaît tout à fait logique d'aller dans ce sens-là et c'était la présentation euh, donc euh, notamment qui a été faite par Mme Blachère. Je mets donc ce rapport aux voix, qui est pour contre. Je vous remercie. Nous poursuivons madame Blachère concernant le budget primitif. Merci, Monsieur le maire. Je rappellerai en préambule de la présentation du budget primitif 2023 que c'est le, pre, le premier exercice avec la nomenclature budgétaire M57. Donc celle-ci apporte quelques changements dans les comptes et dans la maquette budgétaire que je pense que vous avez dû voir quand vous avez reçu la maquette. Donc comme ça a été indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, le budget qui vous est présenté a été construit dans un contexte de forte inflation qui impacte bien sûr les comptes de la ville comme l'ensemble des opérateurs économiques et bien sûr les ménages. C'est un budget qui est bâti à partir d'une situation... Euh, saine, résultat d'une gestion optimisée, comme nous l'avons vu lors de la présentation du compte administratif précédemment, et des capacités d'investissement qui sont certaines. Et il tient compte, bien sûr, des orientations et des projets importants à mener au cours de cette nouvelle année de mandat, avec des projets qui entrent en phase opérationnelle, mais aussi de l'impact du contexte économique de tension sur les prix, malheureusement, que nous connaissons. donc je rappelle le, le, le fonctionnement donc le budget c'est un, un acte de prévision donc il est composé de deux sections euh, euh, une section de fonctionnement et une section d'investissement en recettes et en dépenses. Donc la section euh, de fonctionnement euh, liée aux dépenses et aux recettes inhérentes au fonctionnement de la collectivité et la section d'investissement euh, qui euh, est liée aux grands projets de la ville qui ont un impact bien sûr sur son patrimoine. Et chaque section doit être équilibrée. donc l'excédent des recettes de fonctionnement permet de dégager donc l'autofinancement pour la section d'investissement. donc la part des recettes courantes non consommées par les dépenses courantes vient donc financer une partie des investissements de la ville comme vous pouvez le voir sur le schéma euh, la petite flèche jaune et donc l'autofinancement qui vient se reporter sur la section d'investissement. La section de fonctionnement du budget primitif 2023 s'élève à 52,4 millions d'euros et la section d'investissement s'élève à 30 millions d'euros. Donc, la section de fonctionnement. Donc, on va commencer, logiquement, donc, par les recettes qui permettent à la ville d'assurer l'ensemble des services à la population. Donc, il s'agit des services régaliens, donc, comme l'État civil, la police municipale, mais aussi, bien sûr, les, les divers services envers nos usagers, les crèches, les activités périscolaires, activités sportives, culturelles, et d'entretenir et de dynamiser l'ensemble du territoire au bénéfice de ses habitants. Donc la section de fonctionnement, donc les recettes réelles de fonctionnement 2023, donc euh, dans le budget, 52,2 millions d'euros. Donc ces recettes de fonctionnement euh, sont structurées par les produits et services pour 5,1 millions d'euros. Donc c'est l'ensemble des recettes tarifaires des services aux usagers, en augmentation de 170 000 euros par rapport au budget précédent. Le budget primitif tient compte d'une revalorisation bien sûr des tarifs de 3%. Les droits de mutation, donc une prévision à, à 3 millions d'euros, c'est une fiscalité qui est assise sur un flux et non sur un stock. Donc ça, cette, cette fiscalité a une forte volatilité. Donc il faut être prudent dans la prévision. Et donc on, euh, euh, on a d'ailleurs vu une baisse qui s'amorçait euh, depuis 2022 le produit aussi de la fiscalité directe pour 36,9 millions d'euros. Donc les taux d'imposition restent inchangés sur, sur cette année. L'évolution du produit est liée à la seule évolution des bases. Donc la base des ménages, donc la revalorisation forfaitaire des bases euh, des locaux d'habitation. Donc c'est euh, qui est assise bien sûr sur l'inflation. L'inflation, je rappelle, 7,1 contre 3,4 que j'ai précisé tout à l'heure dans le compte administratif pour l'année dernière. Les, et puis les bases des locaux professionnels avec une estimation à 1% du fait du contexte économique, donc avec plus 0,2% d'évolution physique des bases. Les autres produits de la fiscalité, donc on va retrouver bien sûr la dotation de solidarité communautaire, dite DSC, pour 900 000 euros, qui est maintenue pour le moment, euh, mais certainement des baisses qui seront à, à prévoir avec des nouvelles règles de, de calcul qui sont décidées par la métropole. La taxe sur la consommation finale d'électricité pour 700 000 euros euh, et la taxe sur la publicité extérieure euh, pour un peu plus de 100 000 euros. Les dotations et participations, donc prévision à hauteur de 5,4 millions d'euros. Donc, euh, sur, euh, vous pouvez voir en fait sur les, le. Le PowerPoint, que les sections dont je parle sont mises en gras, en fait, pour, pour plus de lisibilité. Donc, un soutien continu, bien sûr, de la CAF dans le financement des crèches et des centres de loisirs à hauteur de 2,5 millions d'euros prévus, supérieur au montant de la DGF depuis quelques années, d'ailleurs, à noter. On retrouve aussi le, le, le FCTVA qui est perçu sur les dépenses d'entretien du patrimoine et les compensations fiscales qui sont liées à, à la taxe foncière au titre de diverses exonérations fiscales. Donc par exemple les personnes de conditions modestes ou les logements sociaux ou encore de, des locaux industriels pour partie. 219 000 euros aussi de compensation de l'État pour financer le surcoût de la scolarisation obligatoire des enfants depuis trois de ans. Donc on l'a vu, vu pour le compte administratif, on le met dans le budget et on l'aura encore une fois l'année prochaine. Donc il s'agit donc de l'aide qui, qui est versée au titre de l'année scolaire. 2020-2021. Et donc le premier, le premier versement était l'année dernière, le prochain l'année prochaine. Et puis les participations diverses qui sont liées aux démarches actives de recherche de subventions et de partenariats pour accompagner les projets de la ville. Donc, on a déjà 76 000 euros qui sont prévus, avec 14 000 euros de la métropole pour le projet Génération Vélo, 12 cas de l'État pour le projet de la forma... sur la formation numérique, 20 000 euros de l'ADEME dans le cadre de la démarche engagée par la ville pour obtenir le label Territoire Engagé Transition écologique, et 30 000 euros de la Banque des territoires pour différentes études. Et puis, d'autres démarches ont été engagées, bien sûr, et permettront de mobiliser des recettes supplémentaires, on espère, par la suite. La dotation forfaitaire, la DGF, dotation forfaitaire, qui est prévue à hauteur de 2,21 millions d'euros pour 2023. Donc, elle une, une, on peut noter une stabilité après les nombreuses baisses consécutives. Euh, on ne doit pas oublier pour autant que la ville a vu cette recette qui est, qui est, qui est passée de 5,2 millions en 2013 à 2,2 millions en 2023. Et la baisse est énorme et elle pèse quand même relativement lourd pour la ville. Pour rappel, cela représente 51 euros par habitant, là où la moyenne des communes de la Strate sont à 201 euros par habitant. Donc la ville est largement sous-dotée en dotation d'État, avec à peu près 4 fois moins que les autres communes euh, de la même taille. Donc les recettes de fonctionnement permettent, bien sûr, de financer. Les dépenses de, fon... de permettre de financer les dépenses de fonctionnement et de dégager un autofinancement donc on va détailler les diffé... les principes types de dépenses de fonctionnement qui sont assumées par la ville donc le BP 2022 prévoit 48 euh, 2023 pardon merci euh, monsieur le premier adjoint le BP 2023 prévoit 48,1 millions de dépenses de fonctionnement, donc euh, avec la forte inflation dont on a parlé plusieurs fois qui est attendue en 2023. Donc on a une gestion maîtrisée de nos dépenses. La hausse prévisionnelle du budget reste toutefois en deçà de l'inflation estimée, tout en maintenant le, le bon niveau de service rendu aux usagers que vous avez d'ailleurs précisé tout à l'heure. Et je vous en remercie. Elles se répartissent de la manière suivante. Donc, il y a 10,9 millions d'euros au titre des charges à caractère général, c'est-à-dire l'ensemble des achats qui sont réalisés par la ville pour assurer le fonctionnement des services et la réalisation des projets. Donc, euh, le contexte inflationniste explique une grande partie de ces hausses, augmentation, bien sûr, du coût de certaines fournitures, comme les fluides, comme l'alimentation, on en a parlé tout à l'heure, le papier, on en a parlé aussi tout à l'heure, les produits d'hygiène, bien sûr, mais également les prestations de transport et les frais de nettoyage. Euh, on poursuit aussi sur 2023 le déploiement des orientations du mandat, bien sûr, avec des démarches, donc territoire en transition, avec des, des actions, euh, la Biennale de la Danse, la commémoration qu'on a citée tout à l'heure des 80 ans de Jean Moulin de l'arrestation la, de, de Jean Moulin, la participation à la diffusion du spectacle vivant sur le Plateau Nord, la publication de l'ouvrage sur la roseraie, et puis d'autres, le projet Génération Vélo dans les écoles, l'action dans le cadre Agir pour ma santé, merci Madame Goyer, rendre, pour rendre un service public toujours de qualité avec une démarche service public plus pour son service Simplicité, sa médiathèque et bien sûr le CCAS. Passons aux charges de personnel. Donc, euh, prévision à 27,4 millions d'euros au titre des charges de personnel, avec une progression qui est limitée à 2,8 malgré de nombreuses augmentations réglementaires qui s'imposent à la ville. Donc, des augmentations réglementaires qui sont décidées par l'État, avec l'impact des revalorisations intervenues courant 2022. Je rappelle l'indice de rémunération des fonctionnaires de 3,5 en juillet 2022, différentes hausses du SMIC. Donc là, on est sur une année complète. Des évolutions qui sont inhérentes aussi à la vie de la collectivité et à ses choix. L'évolution du glissement vieillesse, pardon, technicité (GVT) avec les avances d'échelon, l'avancement de grade et les promotions internes. Et puis le nouveau régime indemnitaire applicable au 1er janvier 2023. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel pour permettre d'harmoniser les régimes indemnitaires, résoudre des difficultés de recrutement pour certains postes et revaloriser certaines fonctions. au titre des euh, mécanismes réglementaires de reversement, donc avec la métropole, donc 2,3 millions d'euros pour l'attribution de compensation, qui est versée à la métropole de Lyon, donc qui est stable, euh, soit 4,8% des dépenses réelles de fonctionnement, la participation au fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales, le FPIC, avec 500 000 euros. Et grâce aux efforts qui ont été faits sur le territoire de Caluire en matière de logement social, la ville contribue au seul montant de base de prélèvement de la loi SRU pour l'année 2023, 255 000 euros prévus à ce titre. 1,4 million d'euros pour les frais financiers. Ce poste de dépense représente 2,9 des dépenses réelles de fonctionnement. Les frais financiers sur la dette en cours et une marge pour financer de nouveaux prêts contractés en 2023. 5 millions d'euros pour les autres dépenses, dont un budget de 1,6 million d'euros de subventions aux associations qui contribuent au dynamisme et au lien social sur notre territoire. Euh, la présentation d'ailleurs en M57, donc la nouvelle nomenclature, regroupe les subventions antérieurement euh, en recettes exceptionnelles avec les subventions classiques pour information. Donc le, le poste, c'est est un seul poste, alors qu'avant, c'était sur deux postes. De nouvelles subventions aussi sont prévues en 2023 pour la biennale de la danse, notamment le mémoire de la Shoah, le soutien au séisme en Turquie et en Syrie, puisque bien sûr, je rappelle que Caluire et Cuire est une ville solidaire et une ville citoyenne. Une subvention aussi de 967 000 euros au Centre communal d'action sociale, donc avec un, un, un supplément de 90 000 euros. Au global donc les dépenses réelles de fonctionnement représentent euh, 1083 euros par habitant, là où la moyenne de la strate se situe à 1278 euros par habitant sans remettre en cause d'ailleurs un service de qualité, un cadre de vie attractif et des projets ambitieux. Donc, au regard de toutes les perspectives exposées en recettes comme en dépenses, la ville peut afficher un autofinancement important à hauteur de 4,25 millions d'euros qui permet de financer les investissements prévus au budget primitif. Les autres recettes d'investissement, euh, donc 1,3 million d'euros de fonds de compensation de la TVA et de la taxe d'aménagement, 0,9 million d'euros de subventions à recevoir. 1 million d'euros de cession envisagée et jusqu'à 16 millions d'ouverture d'emprunt. Donc, euh, euh, les, les, diffé les, les différents postes euh, supplémentaires pour les recettes d'investissement. On passe aux dépenses. Donc, euh, dépenses d'équipement, 22,8 millions d'euros. Donc, le budget 2023 prévo prévoit des dépenses d'équipement importantes en lien avec le développement de nos projets de mandat et les enjeux de rénovation énergétique, bien sûr, des bâtiments. Donc, euh, euh, sur les 22,8 millions, 1,4 million d'euros de dépenses reportées de 2022, donc des travaux, des achats qui ont engagé mais non achevés ou payés au 31 décembre 2022. Euh, et 3 millions de crédits de paiement 2022 prévus en AP réinscrits sur 2023. Donc ça, c'est les, 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 les sujets qui ont été reportés. Donc des investissements pour répondre, bien sûr, aux enjeux de notre territoire et aux besoins des usagers et des habitants, conformément aux objectifs qui ont été définis dans notre cadre de mandat et engagés dès le début de notre mandat. Dans les dépenses d'équipement, alors... On a mis de jolies photos pour illustrer euh, toutes, euh, toutes ces dépenses. Donc, 9,1 millions d'euros pour améliorer la qualité de notre patrimoine communal et en particulier sa performance énerg énergétique. Donc, la rénovation des bâtiments. De, de, la, de la maternelle dont on a parlé tout à l'heure qui a démarré donc à l'automne 2022 le démarrage aussi des travaux pour la construction de la nouvelle cuisine centrale pour 3,9 millions d'euros et la fin des travaux d'aménagement de la médiathèque pour l'automatisation des prêts et des retours avec 5, à peu près un peu plus de 500 000 euros 1,6 million d'euros pour une ville plus durable. Donc, euh, on poursuit et on intensifie bien sûr notre engagement euh, dans, 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 dans une ville plus durable, avec des travaux et des achats vers une transition à écologie positive, en complément des travaux importants qui sont réalisés sur le patrimoine communal. Donc, pour 2023... Euh, le raccordement de nouveaux sites communaux au chauffage urbain, avec comme objectif de poursuivre ce chantier bien sûr en 2024 et de continuer à réduire les coûts du chauffage pour chauffer nos bâtiments avec une énergie décarbonée à 90%. Les travaux de désimperméabilisation des cours d'école pour un montant de 600 000 euros. En 2023, des travaux importants seront réalisés pour améliorer les, les cours de la maternelle et de l'élémentaire du groupe scolaire Ampère. Le démarrage aussi du, travaux, du projet, bien sûr, de la ferme urbaine, dont les travaux se poursuivront en 2024, en lien, bien sûr, très étroite avec notre cuisine centrale. Et l'installation de récupérateurs d'eau de pluie pour optimiser la gestion de nos ressources en eau. Dans le cadre de la ville, euh, qu'elle lui récuire une ville sûre, bien sûr, 1,3 million d'euros investis dans la sécurité urbaine, euh, avec la modernisation bien sûr de l'éclairage public qui permet également une économie d'énergie avec une enveloppe de 900 000 euros, des investissements sur le, une continuité d'investissement sur le système de vidéoprotection et des investissements sur les bâtiments communaux en matière aussi de contrôle d'accès important et bien sûr l'équipement de la police municipale. D'ailleurs, nous avons eu la visite du, du vice-président à la sécurité de la région pour continuer à nous accompagner dans ces projets. Des investissements aussi dans le domaine du cadre de vie à hauteur de 3,3 millions d'euros. Donc le financement euh, du logement social, l'aménagement des différents espaces publics, dont la, dont la finalisation du square Gilbert et Jean Nalit que nous avons euh, récemment euh, nommé, du square Livet et du square Lucien Maître à Cuire-le-Bas. Des travaux bien sûr dans le gymnase hall de Lassagne, avec notamment la reprise des sols sportifs, la création des terrains de tennis et des terrains de paddle à la terre des Lièvres, le démarrage des travaux du skate park à Saint-Clair, et puis l'avancée du projet d'aménagement du fort de Montsuy et de la création de la ferme urbaine, projet très très important pour la ville de Calvire et Cuillard. 2,3 millions d'euros pour moderniser les équipements de nos écoles et nos moyens pour une ville bien gérée. Des investissements donc dans le domaine de la modernisation avec la mise en place des classes informatiques mobiles sur l'année scolaire 2023-2024. Donc, suite à l'expérimentation qui a été réalisée en lien avec le corps enseignant et l'éducation nationale. Renouveler aussi certains véhicules en privilégiant bien sûr l'achat de véhicules électriques et OGNV pour notamment euh, répondre aux règles environnementales et de la ZFE. L'acquisition de matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement des services en faveur des usagers du service public dans un contexte de développement des outils numériques. L'achat de mobilier et de matériel pour les différents services de la ville dans le but aussi d'améliorer le service rendu aux usagers. Achat de matériel en inox, notamment, on en avait parlé, très important. 3,8 millions d'euros pour réaliser le gros entretien de l'ensemble du patrimoine communal et les aménagements urbains et les opportunités, bien sûr, d'acquisition foncière. Donc, des investissements qui sont nécessaires euh, au patrimoine bâti et espace public pour assurer la sécurité et le confort des utilisateurs. En 2023, on a mis en l'aide, le, euh, on, on, on prévoit la mise en l'aide de l'éclairage du bâtiment historique de l'hôtel de ville. Comme chaque année aussi, on prévoit des travaux de réfection des allées du cimetière et la création de colombariums des travaux dans les crèches, dans les écoles et dans les différents bâtiments de la ville des travaux d'aménagement dans les espaces publics, squares, voirie et bien sûr place. Donc ce budget est un budget très ambitieux, important bien sûr. Important, même en matière d'investissement, au service du projet de mandat pour faire de Caluire une ville toujours plus durable, toujours plus attractive, toujours soucieuse de son environnement. Grâce à une gestion optimisée des dépenses et des recettes, malgré un contexte de forte inflation et d'incertitude, nous continuons dans une démarche positive. Je vous remercie. Merci, Madame Blacher, à mon intervention de M. Matussy et de M. Gillard. Pardon, de M. Trottignon. M. Mathieu, j'en je prie. Merci, Mme Blachère, pour cette, cette, cette présentation. C'est votre soirée, aujourd'hui. Merci. Merci. En tous les cas, <laughs> merci. Tous les cas on, on, merci pour la présentation. Et puis, on peut aussi apprécier la nouvelle nomenclature qui est un petit peu plus euh, lisible et un peu plus digeste par rapport à, à ce qu'elle était euh, précédemment. Euh, et d'autant plus qu'on voit maintenant apparaître euh, l'autofinancement la, la, financement prévisionnel pour les investissements, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et il fallait essayer de deviner. Euh, sachant qu'en plus, la capacité d'épargne, et notamment d'épargne brute des, des collectivités, reste un élément central euh, dans, le, dans les investissements, notamment. Donc nous partons sur un, un budget relativement euh, conséquent, composé, comme vous l'avez dit, de, de recettes et de dépenses. Euh, concernant les, la structure des recettes, et notamment celles qui portent les dynamiques, ben, comme vous l'avez dit, c'est toujours les mêmes, c'est celles sur les, les, les taux des impôts fonciers. S'agissant, et on l'a vu dans le cas du, du, du débat d'orientation budgétaire, qu'il euh, y a l'évolution des bases fiscales qui s'entendent de façon considérable, ce qui fait augmenter euh, euh, ces, euh, ces, ces recettes, euh, avec quand même une progression qui est quand même relativement euh, conséquente, puisque. Euh, pour notre ville, depuis 2019, ça ferait une évolution en fait, de la recette liée à la fiscalité de près de 51%. En termes, en termes financiers, euh, euh, le prix des impôts, je l'ai dit, augmente. C'est vrai qu'il faut être aussi prévoyant, et on l'a redit, sur la dynamique des droits de mutation euh, qui constitue une part importante dans la structure des recettes de notre, de notre collectivité. Il y a la question autour des, des différentes dotations et vous avez bien expliqué à la fois les baisses, mais bon, ça vous le faites de façon systématique, mais aussi d'autres choses qui viennent. Euh, voilà, je, je, je regrette toutefois, comme je l'ai fait précédemment, l'évolution des tarifs à caractère non, non fiscaux qui sont quand même relativement conséquents dans le cadre de, de ce budget qui le supporte et c'est dommage, notamment dans un souci de solidarité. Pour ce qui concerne les dépenses, on, on, vous l'avez dit, on la redit. Et, voilà, on, on pointe souvent cette question autour de, de l'amende euh, qu'on a au niveau du taux de logement social, qui euh, augmente apparemment cette année dans la prévision euh, telle qu'elle est, qu est posée. Donc, est-ce que vous envisagez que le taux, euh, on ait des problèmes et que on soit obligé de payer les 250, euh, je crois' 000 euros prévus euh, un, autre, un autre point aussi sous les dépenses, c'est qui fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure euh, euh, sur euh, le, le compte administratif, mais vous m'avez répondu, mais là, peut-être que vous allez me répondre différemment. Euh, j'ai quand même relevé et je m'en inquiète. En fait, comment est, il est possible qu'on budgette, alors là, des indemnités de fonction à 261 000 euros pour 2023, alors qu'en 2022, elles étaient 276 et en 2021, elles étaient à peu près 270 000. Là, je parle des indemnités. Et pour ce qui concerne les frais de mission, donc des, des, des élus de l'exécutif, euh, là on, on, on revient à, à une somme de, de, de 3 000 euros. Euh, voilà. Donc peut-être avez-vous une explication Le Covid est, est terminé. Alors est-ce que vous envisagez des démissions Je ne sais pas. Euh, concernant le poste des charges de personnel, vous l'avez dit, il y a une évolution euh, dans le cadre du budget qui est liée en fait au nouveau régime indemnitaire pour l'ensemble de, de nos agents et et c'est très bien, et puis euh, on verra que c'est un régime qui, qui va s'étendre aussi au contractuels. Donc c'est quelque chose de, euh, de, de relativement euh, euh, intéressant et pertinent. Toutefois, j'avais une question. Lors du euh, débat d'orientation budgétaire, on avait abordé la question de, de la prise en charge de la mutuelle, de la complémentaire santé collective. Alors je ne l'ai pas relevée, alors elle est peut-être dedans, mais je n'ai pas trouvé où elle était exactement. Alors peut-être que ça sera en 2020. Ok, d'accord, je préfère poser la, la question. Euh, voilà et puis euh, tout sur ces dépenses mais vous l'avez dit il y a une hausse des coûts il y a la flambée des prix et des matières premières qui handicapent euh, les, les budgets des, des collectivités comme les budgets de nos concitoyens mais qui ne doit pas nous empêcher de nous engager dans la transition environnementale ce que euh, il semble être le chemin que vous souhaitez prendre. en matière d'investissement ils vont dans le sens et on l'a déjà dit à plusieurs reprises du rattrapage de travaux et d'une mise à Niveau des équipements au regard de la transition climatique, c'est vrai que pendant des années on, on a dit qu'il fallait faire des travaux sur ces, sur ces bâtiments. Bon, ils se font, il y a un coût, euh, une part d'investissement, des autorisations de programmes qui sont lancés. Euh, néanmoins, ça génère et ça maintient quand même le niveau de notre dette, quoi qu'il en soit, euh, puisque euh, elle, est, elle est estimée cette année. Euh, à peu près à la même valeur que, que l'année dernière, voire peut-être un petit peu plus, avec quand même aussi toujours une par conséquence des coûts de cette dette dans notre, dans notre budget. Compte tenu de, 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 ces, de ces évolutions... Ah oui, si, excusez-moi avant de, de, de conclure, de conclure j'avais une, une question. Dans, le, 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 dans la partie fonctionnement, j'ai relevé que la, la, la part attribuée en fait, aux dépenses de fonctionnement sur l'environnement ne représentait, représentait moins de 1%. Et J'ai trouvé ça relativement surprenant quand on sait que, euh, bah écoutez, je peux vous donner hein, 198, euros, 50, 198 300 euros sur un budget de 48 millions, ça fait quand même pas lourd. Pour l'environnement, sachant que on, on a engagé un plan en la matière, j'ai trouvé ça relativement surprenant. Mais il y a sans doute une, une explication que vous allez que vous allez apporter. Euh, voilà. Mais compte tenu de, de ces éléments et et dans l'attente de, de vos réponses, euh, je réserve euh, mon vote. Monsieur Trotignon. Merci, monsieur. Euh, merci, madame Blacher. Je vais donc euh, intervenir sur le budget primitif exercice 2023. Vous nous avez présenté donc en introduction un budget primitif marqué par une contrainte forte, celle de l'inflation, qui impacte le budget de la ville. Euh, si l'on se réfère aux dernières prévisions de la Banque de France, 2003 serait cependant la dernière année de forte inflation, avec un retour dès 2024 puis 2025 vers les 2% d'objectifs annuels que la BCE doit respecter pour l'ensemble de la zone euro. Mais cela dit, à court terme, l'inflation et la politique de la BCE, avec l'augmentation de ses taux directeurs, se répercutent sur l'ensemble des taux. En faisant augmenter sensiblement les charges financières des collectivités locales de 40% d'une année sur l'autre pour la ville de Caluire-et-Cuire, si l'on compare le budget primitif 2023 au compte administratif 2022. Sur la base de cette même comparaison, parmi les grands postes des recettes réelles de fonctionnement, nous observons une augmentation en valeur substantielle des impôts et taxes qui vient plus que compenser la diminution de recettes des autres postes, produits de gestion et dotations et participations. Des marges de manœuvre budgétaires existent donc bien pour que des efforts supplémentaires se dirigent vers les familles les plus défavorisées de Caluire, par exemple par la mise en œuvre d'un tarif solidaire et automatique jusqu'à 0, jusqu 0 euro pour la restauration scolaire, avec relèvement du tarif maximal pour compenser tout ou partie de la détérioration de l'épargne brute. Enfin, nous constatons que certaines mesures prévues dans le programme de la liste Ensemble Naturellement ne sont pas encore prévues à ce jour, mais nous n'en sommes, sommes qu'à mi-mandat. Mais il en est une qui est d'actualité et qui figure également dans le plan d'action Ville durable celle de subventionner l'achat de vélos électriques. Peut-être pourriez-vous nous dire ce qu'il en est aujourd'hui de, de ce projet. Je vous remercie. Je vous remercie. Euh, Madame Lachat, si vous voulez commencer à répondre. Juste peut-être avant que, que vous ne répondiez, euh, il y a quand même quelques éléments qu'il faut avoir en tête. Euh, quand on regarde la dotation globale de fonctionnement moyenne des communes en France, elle est donc aujourd'hui de 8,7 millions d'euros. La ville de Calua et Cuire touche seulement 2,4 millions d'euros chaque année. Sur un mandat de 6 ans, ça fait un manque à gagner de 38 millions d'euros. Ce qui permet quand même de contextualiser les choses et de montrer comment la commune de Caluire et Cuir arrive à construire un budget alors que nous sommes sous-dotés euh, au, euh, au niveau national. Euh, et je pense que c'est quand même un élément important à avoir. Et quand j'écoute le, 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 le propos de M. Matossi euh, sur euh, le budget euh, environnement, euh, je crois qu'il n'a pas compris ce qu'était l'investissement qui est à hauteur à un niveau aussi important. Euh, mais c'est vrai que sur un budget de 80 millions, vous vous appesantissez sur 3 000 euros, ce qui montre un certain nombre de choses et surtout votre capacité à analyser un budget. Les remarques de M. Trottignon étant beaucoup plus intéressantes, je vous laisse Madame Blachère compléter les réponses. Je vous remercie. Oui. Euh, euh j'ai pas j'ai pas beaucoup d'éléments à, à donner euh, j'avais juste un, un élément sur la enfin, un élément de réponse sur la transition euh, climatique parce que je voulais juste dire que c'est pas un chemin qu'on prend mais c'est plutôt un chemin qu'on a déjà pris et qu'on continue à, à faire évoluer c'est important de le préciser parce que c'est pas quelque chose dont on s'occupe juste pour, pour le budget de cette année et, et c'est c'est ça fait partie de ce dont on s'occupe dans, dans, dans toutes les décisions qui sont prises par, par le, le Conseil. Euh, J'avais aussi un, un petit élément sur la part du, du fonctionnement dans la transition. Vous dites 1%, mais je pense que sur la partie fonctionnement versus la partie investissement, la différence est qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, incluses en fait de, à, à l'intérieur de, de ce qu'on fait mais c'est pas forcément vu comme de la transition donc c'est peut-être pour ça que vous, vous le mettez à hauteur de 1% ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on fait des bah, par exemple en, en fonctionnement qu'on qu met euh, de l'argent sur un bâtiment pour rénover certaines parties, ben, il y a une partie qui est une partie de transition. Donc c'est peut-être peut plus difficile dans le fonctionnement de le voir que dans l'investissement. Mais ça, ça ne représente pas que 1% pour en fait de ce qu'on peut mettre dans l'environnement. Mais je laisserai Monsieur Tollé préciser. Oui, moi je, je, je vais quand même pas laisser passer Monsieur Matteucci sur, sur, ce, sur ce dossier quand même. Enfin, je pense que vous, vous vous connaissez quand même le fonctionnement d'une collectivité et donc dans le cadre du fonctionnement euh, bien évidemment tous nos marchés sont orientés vers justement euh, le développement durable vers des critères environnementaux et donc vous pouvez pas dire qu'il n'y a que un, 1%, je ne me rappelle plus, 180 000 euros qui sont dédiés à l'environnement dans le fonctionnement de notre, de notre démarche. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu euh, notre rapport sur la sensibilisation de la transition écologique tout à l'heure en début, en, début en début de séance où on a quand même euh, mis et on vous a expliqué en fait toutes les démarches de, de la ville de Caluire Cuire dans, dans ce cadre-là, euh, la démarche de, de nos espaces verts euh, L'ensemble de nos équipes d'espace vert qui, qui, qui vont dans, dans, dans ce sens-là. On n'a plus de phytosanitaires. Donc tout ça, ça rentre finalement, euh, finalement dans. D'une part, c'est des économies euh, pour le fonctionnement, et d'autre part, c'est un effort environnemental. Et donc vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit sur euh, la, 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 la démarche de la ville à hauteur euh, uniquement de 190 000 euros pour l'environnement. Je ne je peux pas, pas l'entendre, ça. Je me permets juste peut-être Je vous donne la parole, monsieur. Merci. Euh, le, je, je, je citais en fait le chiffre par rapport à la, fonction du fonc... à la section fonctionnement. Je ne remets pas en question la question sur l'investissement, c'est simplement sur la question du fonctionnement. Et avec les enjeux qui sont les nôtres, avec les plans qu'on a mis en place, je, je, je constatais simplement et par rapport à l'ambition qui est affichée, que euh, 198 000 euros sur un budget de 48 millions d'euros de fonctionnement. Ça ne me paraît pas beaucoup. Ça enlève rien aux actions qui sont faites. Alors, ça rejoint la question qu'on a abordée la dernière fois lors du, du débat d'orientation budgétaire sur la manière dont on va évoluer avec la nouvelle, le, le nouveau protocole 4, I4, etc. Et je vous ai posé la question au niveau du fonctionnement. Je pense que c'est intéressant et ma, ma, mon intervention, elle va aussi dans ce sens-là, où finalement, si vous regardez et si c'est ce que j'ai fait et vous lisez de façon brute le document, vous constatez que ça représente moins de 1%. Telle que c'est écrit. Les actions, vous l'avez dit, elles existent. Néanmoins, oui, ça mais suppose non. de. Les, de, de, de et, et, et juste pour répondre, je, je me permets quand même que, de, de dire qu'une formation, en fait, en comptabilité, elle n'est pas en investissement, elle est en fonctionnement. Donc il y, y a quand même des efforts qui sont, qui sont annoncés. On a fait un plan, on a, on a budget. Donc. Peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura peut-être plus que 198 000 euros de dépenser. puis peut-être que l'année prochaine, le budget sera euh, vous avez, différent. Vous avez... voilà. Je pense que vous n'avez pas compris mon intervention, mais vous êtes tellement réducteur dans vos propos, vous ne pouvez pas dire qu'on dépense que 198 000 pour l'environnement. Mais non, puisqu'il y a d'autres euh, mesures qui sont mises en place. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est logique. Hein. Non, mais simplement... Euh... Il a, simplement, si on prend le budget donc, que représentent les jardiniers, c'est 1 575 ,000 euros, juste pour vous faire comprendre certaines choses. Mais enfin, que, vous savez, lorsque le sage montre la lune, vous connaissez la suite. Voilà. Donc, euh, je vous remercie et je mets donc ce rapport aux voix qui est pour, contre, je vous remercie. Nous poursuivons avec euh, le rapport 49 concernant la fixation des taux d'imposition des taxes directes locales. Madame Blacher. Merci, Monsieur le maire. Pour rappel, depuis 2021, la ville ne perçoit plus de taxes d'habitation sur les résidences principales présentes sur son territoire. Seul le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est perçu par la ville. Pour les années 2021 et 2022, il y a eu une reconduction automatique du taux appliqué en 2020. À compter de cette année, la ville doit voter à nouveau le taux de taxes d'habitation qui s'applique sur les résidences secondaires. Les taux d'imposition des taxes directes locales votées par la ville restent inchangés, soit 17,95 pour la taxe d'habitation, 35,83 pour la taxe sur le foncier bâti et 33,41 pour la taxe sur le foncier non bâti. Il est demandé au Conseil municipal d'adopter pour 2023 les taux présentés ci-dessus. Je vous remercie. Il y a une demande d'intervention, M. Trottignon Oui, merci, Monsieur Cochet. Lors du Conseil municipal du 3 juillet 2020, le groupe Urgence écologique et Solidarité à du Récuir avait fait la proposition d'exonérer de taxes foncières sur le non bâti les parcelles des propriétés agricoles de la commune qui se convertiraient en bio. comme prévu par la loi numéro 2008 1425 du 27 décembre 2008, article 113. Les agriculteurs du plateau du maraîcher que nous avons eu l'occasion de rencontrer se montrent ouverts à la culture en bio. L'un d'eux la pratique déjà sans recherche de certification et un autre l'a déjà pratiquée en dehors de Caluire. Il ne s'agit pas aujourd'hui de redétailler l'ensemble de l'intervention que nous avions faite à l'occasion du même rapport sur la fixation des taux d'imposition, mais simplement de réitérer cette proposition à laquelle vous avez répondu, Monsieur Cochet, en évoquant la production bio de la ferme urbaine, mais sans nous dire si vous étiez favorable à cette exonération de taxes foncières. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Matussi. Euh, pas d'intervention. Intervention retirée. D'autres points, Madame Blacher? Non, rien de particulier. Bon. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Monsieur Mateki, quelle est votre position? Pardon Vous voté pour Ok. Nous poursuivons, Madame Blachère, sur la formation donc pour l'exercice 2020, tour 3, s'il vous plaît. Euh, Excusez-moi. <laughs> Merci, Monsieur le maire. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine les crédits ouverts au titre du droit à la formation des élus. Pour 2023, un crédit de 31 820 est alloué, ventilé en fonction du nombre d'élus de chaque liste. Euh, ce crédit est à l'identique, c'est une reconduction. Il s'agit du même montant. Le détail est précisé dans le rapport qui vous a été adressé. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la répartition des crédits alloués à la formation des élus correspondant au tableau présenté dans le rapport. Je vous remercie. Il n'y pas de mon intervention. Je mets donc ce rapport au voix qui est pour. Je vous remercie pour cette unanimité. Nous poursuivons, euh, Madame Ménan, concernant les attributions de subventions aux associations pour l'exercice 2023. Merci, Monsieur le Maire. Conformément au code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Cette mesure concerne obligatoirement les subventions dont l'attribution est assortie de conditions d'octroi et en tout état de cause dont le montant est égal ou supérieur à 23 000 euros. Le tableau annexé au rapport liste les subventions qui seraient attribuées dans ce cadre au titre de l'année 2023 et sont à souligner une hausse de 90 000 euros de la subvention au CCAS en raison du contexte économique actuel et pour accompagner les habitants et usagers du CCAS la subvention à hauteur de 30 000 euros à la compagnie Ruée des Arts pour la participation à la Biennale 2023 et la subvention versée à l'ASC qui tient compte, en accord avec l'association, de la participation de celle-ci au coût de la construction des terrains de paddle. Il est donc demandé au Conseil municipal d'accorder les subventions de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2023, conformément au tableau annexé, et je vous informe que je ne prendrai pas part au vote. Merci, Madame Menon et je crois également, euh, M. Tollet. Euh... Oui, en tant que président de la mission locale plateau nord val de saône je ne prendrai pas part au vote. Une demande d'intervention de M. Attar-Bérou, ou peut-être de Mme Jean. Oui, donc, euh, M. le maire, donc mes très chers collègues, donc tout d'abord, donc, je voudrais remercier et féliciter, donc, Mme Blachère, donc, pour donc, les rapports qu'elle nous a présentés. Bien évidemment, donc, son administration et donc, toute l'administration de Caluire, donc, en général, donc, pour, donc, l'excellence de leur travail tous les jours je voudrais donc sur ce point donc, et ce rapport donc, évoquer donc, les associations. certes donc, nous avons donc la, la grille donc, des subventions qui ont été données mais nous avons aussi donc, une multitude de petites associations et j'aurais donc un propos donc, pour elles. ne serait-il pas possible d'étudier au sein donc, de notre ville de caluire donc, au moins la mise en place d'un point donc, administratif ou qui pourraient donc aider donc, les associations dans leur démarche, parce que bon nombre donc, sont bénévoles donc ont un travail ils ont donc du cœur et donc de l'esprit à l'ouvrage mais manquent quelquefois donc d'informations ou donc, de contacts et la création d'un point municipal donc, lié donc, aux informations donc, administratives voire juridiques. Et donc technique serait réellement donc, louable donc pour ces petites associations, ça serait vraiment un accompagnement municipal. Voilà donc ce que notre groupe pourrait proposer donc dans cet accompagnement. Merci Monsieur le Maire. Je vous remercie. Une demande intervention Monsieur Matussy. Merci. Comme vous l'avez dit plusieurs reprises et confirme aujourd'hui, nos associations sont dynamiques euh, et donc il est important de, de les soutenir et notamment ces associations euh, qui euh, œuvre de façon assez importante sur notre commune. On ne peut que se féliciter de l'évolution de la subvention de CCS, même si euh, cette subvention euh, voit son évolution liée à la situation, mais il est quand même intéressant de voir que le CCS euh, se voit euh, accorder des moyens qui vont lui permettre d'agir encore euh, fortement. Euh, J'avais je, je, une, une, une question concernant euh, l'association euh, sportive de, de Calure. Il me semble que par rapport à l'année dernière, elle a, elle a dû demander moins de subventions parce que je crois qu'il y a un écart de 20 000 euros. Donc peut-être qu'ils avaient moins de besoins, mais si c'était possible d'avoir éventuellement une, une information sur, sur cette question-là. Et puis enfin, dans les associations, et M. Euh, Tollet ne prend pas part au vote et tout, il y a la mission locale. Et il me semble ici qu'il y a nécessité de soutenir. À la fois financièrement, euh, cette structure, mais il me semble aussi que ce serait important qu'on puisse euh, la soutenir aussi de façon euh, plus politique sur, et sur le principe, puisque euh, les missions locales euh, connaissent actuellement une période un peu trouble et un peu compliquée avec un nouvel objet euh, qui s'appelle France Travail. Euh, voilà, et, et, et il me semblerait quand même euh, important qu'on puisse se pencher sur cette situation-là. Et, et en tous les cas, moi, je, je, je suis vraiment euh, très satisfait du soutien qu'on apporte à la mission locale. De, de notre territoire et notamment euh, sur l'accompagnement des jeunes qu'elle effectue puisque c'est sa mission première des jeunes qui sont pas dans les lignes droites euh, voilà mais mais qu'on accompagne et, et notamment aussi pour reconnaître et je pense que c'est important de le dire puisque euh, le gouvernement et avec sa, sa nouvelle euh, agence France Travail a essayé de d'en de, faire le euh, comment dire euh, de mettre sur le côté mais quand même les missions locales c'est elle qui assure l'essentiel des contrats d'engagement jeunes je pense que c'est important important de le dire donc voilà, je, je, je vous en doutez, je, je soutiendrai euh, euh, cette délibération et je, je porte aussi tout mon soutien à l'ensemble des associations et notamment aux missions locales du plateau. Euh, et puis, ça fera le point avec la, 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 la délibération suivante. Je trouve aussi très intéressant et on peut s'en féliciter de l'évolution du versement euh, des acomptes de subventions qui vont permettre à, à des associations qui, pour la plupart, ont des salariés de pouvoir aussi avoir une meilleure planification de leur trésorerie. Donc, c'est quelque chose de plutôt, plutôt bien. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais d'abord répondre peut-être à Monsieur Atterbeau, et après je vous à la parole Madame Ménon et puis peut-être Monsieur Tollet va compléter. Euh, tout d'abord donc effectivement alors la, les associations quelles qu'elles soient elles peuvent euh, faire euh, une démarche auprès de la vie associative donc, qui est située à la Maison des associations euh, donc à Cuir le Bas et elles ont notamment une aide déjà pour euh, leur permettre d'avoir euh, le lieu leur siège social sur la ville du cuire Deuxièmement une fois par an nous organisons des formations en direction euh, donc, des responsables d'associations euh, dans différents domaines sur la manière dont il faut qu'ils gèrent sur euh, notamment les impératifs qu'ils ont sur les accompagnements euh, qui sont euh, nécessaires et puis je rappelle également que pendant la période Covid nous avons maintenu euh, donc notre démarche auprès des associations en tout cas cette démarche elle est accessible à, aux associations canuard sans aucun problème et ça fonctionne bien et je remercie une fois de plus euh, le service association qui euh, vraiment se met en quatre pour euh, au quotidien et quelle que soit la taille de l'association, essayer de répondre à, 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 à ces besoins. Je faisais la parole peut-être à Mme Ménang concernant les différentes autres remarques. Moi, je reviendrai sur la remarque pour l'ASC et la subvention de, 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 de 20 000 euros. Donc, cette différence de 20 000 euros s'explique par la participation volontaire de l'association aux travaux qui vont avoir lieu, donc euh, la rénovation, euh, la, la construction de ces cours de tennis et de paddle. Voilà. Oui. Euh, merci monsieur matteucci de soutenir les missions locales et je suis... ça me permet justement d'aborder un peu ce sujet là en, en quelques mots c'est vrai qu'il y a une, une grande réforme qui est en train de se mettre en place avec france travail et à ce titre là les, les missions locales sont un peu mises à mal. Euh, moi, je dirais quand même qu'il faut faire très attention. L'expertise des missions locales est absolument euh, énorme et elles ont une expérience de plus de, de plus de pratiquement 40 ans, puisque maintenant on a fêté les 40 ans euh, des missions locales. Et euh, à ce titre-là, je crois que euh, cette, ce, ce maillage qui a pu être constitué par les missions locales sur le, sur le terrain, avec des élus locaux qui pilotent ces associations, je crois qu'il ne faut, faut, faut pas casser cet outil d'accompagnement. Qui est un accompagnement complètement différent de, de Pôle emploi. Euh, ils veulent essayer de, de, bah, de mélanger tout ça, peut-être pour faire des économies. Et je pense qu'on ne va vraiment pas dans le bon sens. Et euh, en tout cas, merci d'être intervenu dans ce sens-là, parce que là, là, je vous rejoins à 100%. C'est assez rare pour le noter. Donc. Euh... Voilà. Donc euh... Euh, ces explications ayant été données, je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. pour... Je vous remercie. Nous poursuivons euh, avec le rapport 52 sur le principe de versement d'un compte de subvention avant vote du budget primitif. Madame Blachère. Merci, Monsieur le maire. Depuis une délibération prise en 89, la ville de Caluire-et-Cuire a mis en place la possibilité de verser 1 à 3 douzièmes de la subvention perçue l'année précédente à certaines associations avant le vote de la subvention dans le cadre du budget primitif. L'objectif est de répondre aux besoins de trésorerie de ces associations qui ont notamment du personnel à rémunérer mensuellement. Différents délibérations sont venues ajuster ce dispositif et les associations identifiées. Il est nécessaire par cette nouvelle délibération de reprendre et d'ajuster la liste des associations concernées. Elles sont au nombre de six auxquelles il faut ajouter le CCAS et son président précisé pardon dans la délibération il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'acompte avant le vote de la subvention dans le cadre du budget primitif dans la limite de 3 douzièmes de la subvention perçue l'année précédente pour les associations qui sont listées dans la délibération merci beaucoup madame Blachère donc je mets ce rapport voix qui est pour je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 53, Madame Blachère, sur l'attribution d'une subvention de fonctionnement au comité socioculturel de la ville de caluire et c'est le dernier rapport que je présenterai. <laughs> Attribution d'une subvention au comité socioculturel de la ville de Caluire-et-Cuire au titre du reversement Sodexo. Donc il s'agit de la délibération qui est prise annuellement pour reverser le montant d'échecs restaurant perdus ou périmés sous forme d'une subvention à l'association du personnel municipal. Pour 2023, le montant d'échecs restaurant perdus ou périmé, du mélisime 2021 s'élève à 9330 euros, 55 <laughs> centimes et il est demandé donc au conseil municipal d'allouer une subvention du même montant au conseil au pardon au comité socioculturel de la ville de Caluire. Oui, je vous remercie, il n'y pas de demande d'intervention, je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie et nous poursuivons Monsieur Tolet, sur la modification du régime indemnitaire de la ville de calua Oui, donc le Conseil municipal a mis en place ce nouveau régime indemnitaire en octobre 2022, enfin délibération de octobre 2022. Il vous est proposé ce soir de modifier l'article 1 de cette délibération concernant les bénéficiaires du rif et notamment les contractuels recrutés afin d'affecter un remplacement temporaire de fonctionnaires. La modification est la suivante pour les contractuels recrutés afin d'effectuer un remplacement temporaire de fonctionnaire, un socle du régime indemnitaire ou IFSE est déterminé et il évoluera en fonction des compétences et de l'expérience acquises par l'agent concerné. Donc, il vous est demandé ce soir eh d'approuver cette modification de cet article numéro 1. Je vous remercie, Monsieur Tollet. Une intervention de Monsieur Trottignon ce que vous avez demandé, donc il n'y a pas de souci. Monsieur Matussi, Retire mon intervention. Okay. Merci. Donc, je mets ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie. Euh, Adopté. Donc, euh, simplement, euh, avant que l'on passe sur le projet euh, d'un vœu qui a été déposé, je veux juste vous rappeler que je signe donc, la totalité des libérations et pas uniquement les, les conventions. Je note que les membres de la NUPS, PS et n'avaient rien voté concernant l'intérêt des Calurars, que ce soit le handicap, la culture, le sport, la santé, les artisans, la Croix-Blanche, l'autopartage, les finances, le maintien de la fiscalité. Je note également que ma signature ne vous gêne pas quand elle est à votre bénéfice personnel. D'ailleurs, les Calua en auront bien compris. Et je remercie les élus de Calure au cœur qui ont voté notamment le compte administratif et le budget, ainsi que les rapports. Et maintenant, donc, nous passons aux vœux. Conformément à notre règlement intérieur, lors de la réunion des chefs de groupe, la liste d urgence écologique et solidarité à Caluire et Cuir a déposé un vœu relatif au déplacement des usagers sur la voie verte. Le texte de ce vœu, qui fera l'objet de la délibération numéro 2023-055, a été déposé sur votre table avant le début de la séance. Je donne la parole euh, donc au groupe de M. Gillard pour sa présentation. Merci. Petite précision. Je rappelle que nous avons à chaque fois expressément donné notre avis à l'oral si nous étions pour ou contre. Ça n'empêche pas euh, qu'on peut ne pas prendre part au vote. Merci. Donc, euh, juste petite question. Est-ce qu'on a affaire à la même équipe municipale quand, d'une part, on nous présente le plan de sensibilisation à la transition écologique, et d'autre part, on tente de saboter un projet structurant... Alors, monsieur, quand on présente un vœu, on lit le vœu. Euh, après, il y a un débat. Donc, si vous voulez bien lire le vœu, je vous remercie. Alors, on peut pas faire une petite intervention avant On peut, oui, je pense qu'on peut prendre un peu de recul par rapport au texte. Et euh, Puis... Il y a un règlement intérieur. Je sais que vous voulez peut-être changer un certain nombre de choses. Vous verrez le moment venu. Mais pour l'instant, je vous demande de lire le vœu. Si vous ne voulez pas le lire, de toute façon, tout le monde l'a lu. Euh, donc à ce moment-là, on peut le mettre simplement aux voix. Euh, je dirais que simplement aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un petit peu étonnant, c'est que vous annoncez un vœu alors qu'une concertation concernant la voix lyonnaise numéro 7 ne fait que commencer. Alors ça va tout à fait en relation avec la vision de ce que vous pouvez avoir euh, au niveau de la concertation. En fait, vous l'avez déjà bloqué avant une concertation. Et donc dans ce genre de situation, votre vœu nous apparaît d'autant plus surprenant que maintenant vous êtes au courant que nous allons organiser un conseil municipal spécifique et unique pour parler de la voie lyonnaise numéro 7, avec notamment un sujet qui concerne l'ensemble des calures rares, qui est bien évidemment euh, le devenir de la voie verte. Et euh, donc vous aurez le temps, et au-delà d'un vœu, D'échanger par rapport à, à, à ces éléments et de présenter à ce moment-là votre projet de manière beaucoup plus globale. Donc, soit vous lisez votre vœu maintenant, mais après, donc, je procéderai au vote. Je vous en prie, Monsieur Fèvre. Alors, de fait, je suis un peu obligé euh, de réagir à ce que vous venez de dire. Ah, vous avez vous-même introduit euh, un sujet peut-être qui paraît corollaire au vœu, donc je, je, je me dois de réagir. Euh, justement, vous parlez de votre euh, pétition, de, du sujet de la concertation. Je vous demande de lire votre vœu. Simplement, c'est dans le règlement. Bah, voilà. monsieur, monsieur que, que vous votre... venez d'introduire ah, voilà. en amenant un autre voilà. sujet qui voilà. n'a rien à voir avec le vœu. Comment bien. vous pouvez m'interdire de réagir Et, sur... Je, je euh, n'interdis rien du tout. Je plus simplement le règlement tel qu'il doit être. Donc, lisez votre vœu. Euh, donc, allez-y. Bon, par contre, je veux bien lire mon vœu, sans aucun problème. Par contre, je vous demande expressément de bien me laisser la parole après pour aussi expliquer ce vœu. Bien. Bah écoutez, je vais faire un vote liminaire pour savoir si le conseil municipal accepte ou non d'étudier ce vœu. Qui est pour étudier ce vœu Pardon oui. Qui est contre le fait d'étudier ce vœu Je vous remercie. Ce vœu ne sera donc pas étudié. À nouveau, et donc, à nouveau, je il y a vous une remercie et une censure. censure, censure rendez-vous au pas prochain conseil municipal qui accepter. pourra censure, effectivement parler de ce sujet-là, donc à la voie lyonnaise numéro 7, euh, donc, vous plaît. au mois de euh, donc, mai. Alors le, monsieur j'ai une question excusez-moi je vous remercie du texte je de la vous loi j'ai une, une question qui reporte Merci au sujet vous. des calures rares.